Hop là, et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oh, ça ou quoi? Hey yo, ça va et toi? Hein, tranquille. Y a Pépito aussi qui est là, mais il doit être occupé. Yes. Façon, je crois que les prochains jours, ça va être travail légal, travail légal, travail légal. Ouais, je crois aussi, oui. Prochain objectif, c'est le moteur dans la Sultan. Yes. Bah là, je viens de l'ouvrir, tu vois, le garage, donc. Oui, bah c'est la même. Je viens de me mettre en service au garage toute la soirée. De toute façon, on peut rien faire d'autre, hein. Non, il n'y a que de l'affaire, ça c'est sûr. Je vais mettre ma caisse devant mon garage, moi. Le prochain objectif, c'est ça, hein, c'est le moteur dans la Sultan. Hein. Putain, faut penser à mettre les sous ce soir pour les loyers. Hein. Ah yes. Faudrait que je le rappelle. Putain, c'est quand? On est quand aujourd'hui? On est On est mercredi. mercredi. Eh oui, faut le mettre ce soir. Eh bah, je vais tanker 1005 et puis voilà. Hein. Voilà, moi ça va, Pépito, il m'a donné les sous hier donc. Ah, moi ils ont filé pour la bagnole donc voilà, je vais tanker pour mettre tout dedans. Hein. Ouais, bon, moi Pépito il a filé les sous. Bon, Amy on l'a pas vu depuis plusieurs jours encore donc je sais pas ce qu'elle devient. Ouais, elle dort bien, oui. Eh, hey, RP norvégien avec salade. Je suis pas sûr que la salade soit offerte. Hein. Pas sûr que la salade soit offerte. Le RP norvégien, il est offert, mais la salade. Entre là direct, Pépito. Oh la vache, elle avance ta bête, ta truc. T'inquiète. Hola Pepito. Voilà, papé. Donc quoi? Bah, et toi? Tranquille.
Mais pas mon numéro par cœur, c'est grave. Yo Thénos, ça va ou quoi? C'est RP civil ce soir. Sors, il n'y a rien à faire à part tourner dans l'atelier. Bonsoir. Et bonsoir. Ça va, chef? Ça arrive. Ouais, tranquille. Dis-moi, j'ai juste une question. Est-ce que c'est Oui. toi qui t'occupes des pneus drift? Absolument pas. Pour ça, il faut voir où est l'ex-custom. Il n'y a plus de pneus Où est drift. l'ex-custom? Non, il n'y a Ok, plus ça de va. pneus drift. Il y a un des deux patrons du LS Custom qui fait des prépas drag et drift, ça oui. Mais il n'y a plus de pneus drift. Ouais, mais... Attends, je te laisse répondre à ton téléphone s'il te Yes. plaît. Allô? Oui, allô, vous m'avez appelé? Oui, bonsoir, c'était pour savoir ce que vous pensez du Tauros. Ah bon, magnifique. C'est incroyable, hein? Ah franchement Il incroyable. a pris une accélération de fou, hein? J'ai pas testé Ah la oui. vitesse de pointe, mais ça fait peur. Ah mais c'est un truc de fou, hein. Surtout quand on arrive sur l'autoroute avec les petites bosses, là c'est incroyable. Hein. Bon, tant mieux. Vous êtes satisfait, c'est parfait. Ah ouais, franchement ouais, nickel. Et pas bah, parfait, c'était au moins pour m'assurer de ça. Nickel. Ok, bah parfait, bah je vous remercie. Allez, je vous dérange pas plus, bonne soirée. Allez, merci à vous aussi. Et voilà. Du coup. En gros, en fait, tu vois, j'aimerais bien organiser un événement avec l'aide du gouverneur et de plusieurs sponsors. En gros, j'aimerais bien préparer un concours de drift. Et je sais pas à quel mécano je dois parler pour pouvoir faire en sorte que des gens puissent venir à l'événement, à installer un atelier de fortune, on va dire, pour pouvoir installer toutes les préparations pour faire du drift, et à ce moment-là, les gens font le concours avec leur voiture. Je sais pas si Alors, toi, c'est dans tes cordes ou si tu saurais me dire quel mécano pourrait le faire. absolument pas. Et en plus, une fois qu'une voiture est préparée en drift, elle reste préparée en drift. Donc, il faut absolument avoir une voiture à sacrifier pour la prépa drift. Mais pour ça, il faut voir avec Darius King au LS Custom. Ok, ça va, bah, je vais aller lui demander. Bah, merci beaucoup en tout cas et Bah, avec passez une bonne plaisir. soirée. Allez, bonne soirée. Et mon copain, comment Et qu'il tout. allons ici? Mais salon super et toi? Comment qu'il allons la caravane du Seigneur, mon copain? Est-ce qu'elles vont décoller sur la Lune? J'ai failli, hein. Premier tournant que j'ai pris avec, j'ai failli me manger des maisons là. Ça va, Thénos, merci beaucoup, désolé. Ouais, je vais te Tu faire m'étonnes, une frère. petite custom esthétique dessus là. Je lui ai demandé les freins, la transmission, j'ai dit tu touches plus à rien. Elle t'a fait mettre une transmission dessus. Bah ouais, parce qu'honnêtement, je t'avoue, j'étais pas trop pour. Et après, il m'a dit, ouais, mais vu que tu cales enfin, que tu glisses en première et deuxième, la transmission elle va un peu t'aider. Au final, je mets la transmission, au final, j'ai vu que ouais, ça a aidé grandement quand même. Vas-y, amène-moi la bête là, si t'as le temps que je Pour l'essaye. info, Rurik, j'ai pas sorti la Je vais sculpture, hein, taper la ça, de sculpture toute je la façon je suis sortirai dégoûté en là. extrême besoin. Yes. On arrive. Vas-y, il faut que j'essaye ça parce que je t'avouerai, je l'ai testé avec le nouveau moteur par peur de ce que ça donnait. J'étais surpris. Alors, si t'as mis une transmission et que ça patine plus. Bah honnêtement, moi j'ai réussi à tourner quand même correctement avec, hein, depuis qu'il a transmis. Ah bah si ça patine en première en seconde, donc si tu me dis que ça patine plus, c'est que t'as fait fort. Hein. C'est que ça fait du taf. Aïe, Hein. aïe.
Et lui, il voulait me rajouter un turbo dessus. Je fais non, non, ça y est. Oui, alors, techniquement, je l'ai poussé jusqu'à. Jusqu'à plus de 200, je crois, ta caravane là. Donc, fais attention quand même. Tu mets un turbo là-dessus. Ta rivalise avec ta caisse et la mienne. Ouais, non, je peux foutre de turbo là-dessus. T'es fou, c'est pour tuer. Déjà maintenant, c'est pour se tuer. Ouais, elle est dangereuse de ouf. C'est pas grave, ce sera un bijou de collection dans le pire des cas. De toute façon, il va pas nous servir à grand-chose, mis à part aller faire du camping. Ah bah là, tu peux aller faire du camping à vitesse grand V, ouais. Ouais, ce sera pratique dans les chemins un peu pentus, tu vois. Elle a la puissance pour monter maintenant. T'es sûr qu'elle cale pas, tu grimpes le Mochilian avec celle-là, je crois. J'avoue que même si le mur il est horizontal, ça passe à mon avis. Ouais, ça passe. Bon, mais ça marche, écoute, si tu veux passer me faire voir ça, que je rigole un coup. Ouais, bah vas-y, je vais arriver. Ça marche. Allez, à de suite. Ouais, t'as pas sorti la Sultan du coup. Ah non. Je sortirai que quand on aura vraiment besoin. Bon, après une fois qu'elle aura été vue une ou deux fois, bon, de toute façon elle sera grillée, mais. Après, même si elle est grillée et qu'il nous attrape jamais, présomption d'innocence. Du moment où il t'attrape pas, il y a présomption d'innocence, tu vois ce que je veux dire? Yo. Hey yo. Comment ça va? Avec toi? Tranquille hein? Eh, moi j'ai le cul-zépo. J'ai le cul-zépo devant mon garage et je vais rien faire d'autre de la soirée. Ah ouais? On se fait. Bah, je te rappelle qu'il n'y a plus de blanchisserie. On n'a pas d'eau. Ah oui, j'ai oublié cette story là, putain. On n'a pas encore le. On n'a pas encore la suite en prête. Ah, vous avez pas pu l'avoir du coup? On l'a, mais elle est pas swap. Ah oui, oui, ok. Vas-y, j'arrive à ton garage et je pense que je vais aller après au LS plutôt, je pense. Ouais, bah de toute façon, l'objectif c'est de bosser et de faire de la thune pour pouvoir mettre un moteur à 42 000 dans la Sultan. Ok, ça roule. Fame machine. God damn, traffic is that backed up? Hey yo. Hey yo. Y a que toi réveillé là? Non, y a Pepito. Et à Jean. Ouais. Ok. Jean est au LS, parce que de toute façon, comme on peut pas tuner, ça suit le temps, on peut rien faire, tu vois. Il nous faut 42 000 pour lui coller un V6 6 litres. Histoire de faire de la Sultan un petit monstre. Une fois qu'on lui aura collé un V6 6 litres, on pourra s'en servir pour un peu tout. Ça fait un moment qu'on est là, on bosse. Wesh. Putain, c'est quoi cette caravane qui vient de faire un...
Ah, si c'est une caravane, c'est tout. Ouais, bah y'a les flics qui viennent de faire un coucou aussi, tiens. Il vient de faire un... Oh putain. La couleur qu'il a mise. Je t'explique même pas, j'ai fait un swap dedans, mon copain. Ah ouais? Oh putain. Dans la caravane, ouais, ouais. Mêlons-nous à la foule. Effectivement. Excès de vitesse et un léger drift. Messieurs, dames, bonsoir. Tout à fait. Bien le bonsoir. Un oui, j'ai fait un swap dessus, ouais. Pas l'excès de vitesse, j'étais pas certain, mais je pense que vous étiez déjà à plus de 100 km/h. À plus de 100? Avec ça? Machin. En dehors des 100, quelques secondes dans le dos, ça passe. Étonnant. Hein? Oui, j'ai fait un swap dessus. Vous pouvez présenter vos papiers, identité, véhicule, s'il vous plaît. Je sais pas si t'as parlé dans la radio, mais t'entends pas. Ouais, j'ai dit problème de tête. Ah, comment ça va, mon jean? Ça va et toi, Richie? Ouais, nickel, hein. Je vais pas tarder à arriver au LS. Way, Tommy. Ouais, ça va. Et celui-ci. Ouais, j'ai eu que Pepito, puis les keufs qui veulent des voitures que je peux pas sortir. Si votre véhicule, c'est bien le vôtre. Ah! Attends, les keufs qui quoi? De quoi? Les keufs qui volent des voitures. Ils veulent des voitures que je ne peux pas sortir. Ah, j'ai compris, ils volent des voitures, j'étais en mode attends, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Vous allez faire quoi? Non. Bah, du camping principalement, mais. Au niveau de. D'esthétique. Voilà. D'esthétique, on sait pas trop encore. Il manque déjà les phares Xeon, je les veux. Eh ouais, ouais, sacré souvenir. C'est gros halogène, une rampe. Vous inquiétez pas, je vais y coller un V12, je vais le mettre sur, je vais le, mettre sur le toit. C'est la première fois qu'on vous arrête pour ce genre de délit. Tu pourrais le laisser, on va... Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ça sera un petit avertissement pour la première fois, la deuxième, ça sera un peu plus serré, puis la troisième, ça sera contravention. D'accord, monsieur. Ok, super. Merci beaucoup et soyez prudents quand même. Mais vous aussi. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Et la bonne soirée. Comment qu'ils ont ceci? Bah écoute, ça va bien, ça doit faire au moins la, ouais, la 62ème fois qu'ils me disent qu'ils me voient pour la première fois, c'est ça qui est drôle. Hein. C'est super drôle. Bon alors du coup, tu t'as fait rajouter une transmission là-dessus. Ouais mais elle patine quand même. Finalement elle patine quand même, c'est juste pour la direction, quand elle monte pas trop haut, ça va, elle est mieux gérable qu'avant je trouve. Bah, à mon avis, ça doit moins pinailler qu'avant, parce que moi, il pinaillait quand je l'ai transformé. Quand je l'ai testé après le swap là, et après qu'elle ait passé la nuit à être lustrée par mes mécanos de nuit, ça pinaillait en une et en deux. Ah bah ouais. Là, honnêtement, c'est quasiment roulable, tu vois. Vas-y, fais voir. Hey yo, t'as pas ton cuir, toi? Je viens de me réveiller. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah, bah, la caravane, là, elle fait du... Quoi? Y'a un mec qui est venu pour vous faire préparer 3 bagnoles en drift, mais moi je peux pas en fait. Oui, c'est un violet, non? Je parie. Oui. Oui, j'ai dit qu'il fallait qu'il voit Darius, maintenant s'il est con, il est con. Hein. Bah, il m'a peut-être pris pour Darius, oui. Niveau suspension, c'est pas trop ça. Ça tombe pas mal, hein. Oh, bah oui, c'est une caravane aussi, hein. Pas stable, hein. Les gars, j'ai mis les néons aussi. Putain, j'avais pas vu les néons. Et tu me fatigues. Par contre, elle patine toujours en 1, bah, mais elle patine bien, plus en 2. Faut mettre 1000 balles dans la... dans la paire. C'est ce que je disais, je disais faut elle patine balles. Moi. Alors, elle patine sur la première, mais pas sur la seconde. Non, c'est pour le loyer, c'est pour payer le loyer. Et les après, 1000 niveau direction, je trouve que c'est 7 fois mieux aussi. Ouais, ah, c'est ouais, beaucoup mieux. Pas ouais. Par contre, elle bombarde toujours autant, hein. C'est un engin de mort ce truc. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai créé encore?
Vois, Darius, il crée Darius, ça c'est le travail de Darius, il crée des aberrations comme ça, ou comme sa voiture pour aller sur la lune. Ça, c'est mes aberrations à moi. Moi, je crée des monstres comme ça. Bah, au moins, on voit le beau côté de la chose, c'est que t'as vu qu'un véhicule très lourd qui devient trop léger, bah, va peut-être monter beaucoup trop avec un moteur simple, finalement. Non, mais surtout qu'il y a quoi ? Il y a un i4 de litres, donc le moteur, il est... C'est bon, j'ai payé votre loyer, j'ai envoyé 1000. Non, c'est l'avant-premier moteur. Merci Pépito, mais t'étais pas obligé, tu m'avais donné de la thune hier déjà. C'est le deuxième quoi que tu peux mettre. Mais c'est pas moi, c'est pas là. Pépito, c'est moi qui ai payé. Non, mais Pépito, il m'a elle a entendu et du coup, elle a dit pas je paye. Et voilà. T'as même pas changé les jantes. On a mis, non, on a mis... Elle aurait dû te les donner en fait, t'aurais dû les mettre dans la maison directement. On a mis un i4 de litres. Non, donc le plus gros i4, c'est-à-dire le troisième moteur le plus nul de toute ma sélection de moteurs. Ah, c'est le troisième, je pensais que c'était le deuxième. Tommy, j'ai envie de faire un concept car là. Je dis ah oui, d'accord. Non, c'est un camping-car. Bah oui, déjà, oui. Déjà, il faudra faire un concept moto parce que bon, les merci. Oui, essaye de lui parler du moteur de la Sultan à 42 000, on va voir si elle va faire pareil. Et dis-moi, on a un moteur de Sultan à mettre à 42 000 dollars. Tu payes aussi ou j'ai 41 000. Et merde, putain. Pas toi que je voulais. Bah ouais, je me doute. C'est elle. Voilà. J'ai 41 000 là, ça y est, laissez-moi tranquille. On en parle ou pas que la voiture elle a failli m'écraser. Lélo. Ah ouais, non, t'es témoin, on est là. Ça va, au moins vous avez deux loyers d'avance. Il s'en bat littéralement les couilles, hein, vraiment. Moi j'irais lui péter sa gueule. Hein. Ouais, le mec, on est d'accord, le mec a failli me tuer d'un coup de hache. Il s'en bat littéralement les couilles, hein. C'est bien quoi. Demande, il me semble. Moi j'ai pas demandé à ce que tu me plaques au sol et que la voiture écrase ma boîte crânienne quoi. Ça va, une tartiflette de cervelle, c'est quoi? Ah non, sa vraie demande, c'était que tu devenais chasseur. Nel, t'es devenu cueilleur. Ouais, et à Maggie aussi. Et à Maggie, ouais, important. Mais on t'aime quand même, Vin. Hein. Pourquoi on l'aime pas? Bah non, j'ai pas dit qu'on l'aimait pas. Ah! Tu sais qu'on aime pas? Bah, je sais pas. Et lui en face avec son BMX là. C'est pas un BMX, mais avec son vélo de mort là. Lui, on l'aime pas. Oh, Tommy. Quoi? Faudrait qu'on refasse l'escalade de la dernière fois et qu'on achète des parachutes à Marcel. Oui. tu sais que j'ai vu qu'ils vendaient des parachutes, j'ai fait oh, je vais en acheter en stock. Le problème, c'est que j'ai peur de pas savoir ouvrir mon parachute en sautant. Je peux pas changer les pneus sur le camping-car. Alors écoute, moi je ne peux que changer si les moteurs moi, dans les voitures. Tu tires sur tous les leviers. Vraiment, tu prends ta tête, tu fais comme ça avec tous les leviers. Quel méchant. Normalement, il faut forcer pour l'ouvrir. Ouais, normalement, c'est forcé. Ouais. Normalement, il faut forcer pour l'ouvrir, mais. Ouais, mais bon, comme on a tous des terminaisons nerveuses différentes. Non, moi j'ai les mêmes que Tommy. Oui. Mais j'ai tout bien fait. On a fait des scanners, crâniens avec Tommy et on a les mêmes terminaisons nerveuses. Si je me tire une couille, c'est lui qui a mal. Ouais. Ah. Et si je me touche, c'est lui qui a l'érection. C'est ça. Oula. Ouais. Ginette, c'est toi ? T'as bien aimé. Bien aimé. Bon, putain. Mais ça y est, je l'ai lancé là. Là, suivez-le, il va dire des trucs sombres. Je sais pas ce que je vais en faire demain. Oh, ça m'intéresse. Il va faire un swap moteur sur l'ambulance. Non, on peut pas. On a déjà vérifié, on peut pas. Bah, c'est un véhicule de fonction publique. Je te touche parce que tu aimes que je te touche, non, dis donc. Ouais, non, mais. Alors, je t'explique. On a connu une tenancière de supérette qui s'appelait Ginette. Mais elle tenait toutes les supérettes, Ginette. Ginette, il lui arrivait quelques bricoles sexuelles. Il lui arrivait des striptease, il lui arrivait des. Mais reviens, c'est pas Ginette. C'est sa cousine. Trop tard, on t'a élevé un buisson. Bah écoute, bonne buissonnade. Et l'autre, il est allé là. Et l'autre, il est parti le voir avec. Il est parti le voir avec sa caisse. Et l'autre, il suit. Voyeur. Putain, reviens, j'ai la Ginette authentique devant moi, je te jure. Par contre, celle-là, c'est la vraie. La Vidwam, c'est la vraie Ginette. Reviens et dis-moi si c'est pas la vraie Ginette. Baby girl.
C'est... Oui, parce que Ginette, elle ressemblait à celle qui vient de passer avec le t-shirt mauve, là. Non, mais tu sais qu'il il l'a suivi jusque loin, là-bas, là. Oui, oui, un truc que là, je capte pas, elle vient de taper un sprint, la Ginette. Oui, elle a eu peur parce qu'il a failli m'écraser le crâne. En gros, Ginette, elle ressemble à elle, là. Avec ses habits-là, tu vois. Ou pareil. Et c'est là, c'est une tenancière de supérette. On l'a braqué souvent. Mais Richie, lui, pour pas qu'elle appelle les flics et qu'elle appuie sur son petit bouton, il lui racontait des mots doux. Il disait, ma petite crêpe au miel, je vais te péter le pot à Nutella. Je vais te tartiner la crêpe. Elle a des goûts bizarres quand même. Hein. Ouais, t'inquiète, je disais ça aussi à Ginette, bizarrement. Quand on lui disait des trucs comme ça, elle appelait pas les keufs. Hein. Par contre, Richie, il allait la tartiner tous les soirs, mais... J'étais en caleçon derrière chez Ginette. Ah ouais ? C'est parce que je foutais là. Ouais. Non, t'es allé lui faire du sale, tu veux pas l'avouer, on le sait tous. On arrêtait pas de lui dire des saletés à Ginette pour qu'elle nous laisse tranquille. Oui, la fois où on s'est réveillé tous les deux en caleçon, dispersé dans la ville, ouais, je m'en souviens. Lui, il s'est réveillé en caleçon derrière une supérette et moi, je me suis réveillé en caleçon à côté d'une station essence. Et on était. Volé une moto. On était tous les deux en caleçon. Non, on a volé un scooter. J'ai volé un scooter, frère. J'ai parce qu'il y avait que des scooters. Le Vespa avec la selle cuir moustache, là, tigré. Ouais. On était comme des connards en caleçon à vouloir remonter. Ouais, il y avait. Heureusement, les flics nous ont pas croisé à ce moment-là. Parce que... Deux cons sur un Vespa. Des barres. Ouais. Sauf si c'était les deux fliquettes. Elles auraient kiffé. Ah, les deux fliquettes, elles se seraient foutues de notre gueule, ouais. Ouais. Là, elle aurait pu me contrôler. Non, non, mais c'était un Vespa avec la selle tigre. La Brios qui arrive. Oui. Yes. Yeah. Bah ça va, moi fois... on n'a pas fait autant d'enthousiasme pour moi, alors fermez vos gueules. Bah si, moi j'étais content. Si, moi j'étais content. Ouais, ouais, on est toujours content. Au courant, toi. C'est pas faire genre. Hein. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu qui, j'ai vu Tommy. Oui, moi. Mais t'es à côté la fois avec Georges où il se réveille, il me fait mais t'es où? J'arrive, je suis au niveau du pont du quartier. Il me voit arriver en caleçon, parce qu'en fait quand j'ai dormi j'étais somnambule et je suis allé chez Ginette machinalement. Putain. Ouais. Ouais mais parce qu'on a toujours dit à Ginette qu'on allait le déposer chez elle le soir pour que tu la déboîtes, donc forcément... Ah bah oui, c'est pour pas qu'elle appuie sur le bouton, qu'elle appuie sur le bouton. C'est pas un BMX. C'est pas un BMX. Aïe. Putain. Ouais. C'est un trottoir par contre, ouais. Tu feras attention. Ça, c'est possible. Les loups. Ah, t'as laissé tomber ton donut. Non, lévitation, le donut. T'es moi. Et le donut. Moi, je vois rien. Ah. Vas-y, c'est bon, j'arrive. Faut vraiment que j'arrête de prendre de la drogue, moi. Bon, moi, j'ai rendez-vous avec monsieur le gouverneur. Voilà, elle a tout compris. On va visiter, il va nous payer un petit café. Ouais. Allez, ça va visiter le gouvernement. Bah ouais. Vous savez qu'on peut monter pour garder un holster quand on a PPR. Vous savez qu'on peut garder, on peut monter à 6 ou 8 là-dedans, regarde. Ouais, on sait. Bah oui, je sais bien. C'est pour ça que je l'ai pris hein. Allez, amusez-vous bien. Et attention monsieur Kenway, c'est la première fois qu'on vous attrape hein. On va revenir à mon ami. Yes. Ça marche. Ah là là. Coucou toi avec ton chapeau là. Ça y est, il est reparti. T'as fait net raguet, oui. Ouais, non mais j'ai croisé Ginette du coup, et je me suis mis dans tous ses états. Et là, il est dans un état le bordel. Ah bah. Ginette, tu parles ou moi? Non, toi. Ah. Oh, mais... ouais, ce soir, il faut que je pense à payer le loyer comme ça c'est fait. Ouais. Merci, Pépito, pour les sous. C'était pas obligé, tu m'avais déjà envoyé des sous hier. C'était suffisant. Hein. Ouais, là, il faut qu'on arrive à se faire 42 000 balles pour le moteur de la Sultan. Comme ça, dès que la Sultan elle a le bon moteur, on voudra que je revois. Et du pop. Ouais. Hein. Ouais. Ça pop, il up. Là, c'est plus pop and bang. Aucune idée. Bah moi non plus. Bonsoir. Et bonsoir. Vous allez bien? Bon. Et vous? Ça va. Je vais faire un petit... voir ce qui est possible de mettre dans la colonne ici derrière. Voir ce qui est le mieux. C'est vous qui m'avez envoyé un message sur l'appli tout à l'heure? Ouais, c'est ça.
Monsieur Kennedy, du coup. C'est bien ça. Nickel. Et bon, on va aller faire un petit tour avec la voiture. Je vous laisse prendre le volant. Yes. Ouais, j'ai bien dû emmerder les cubes. J'ai gardé leur bagnole au moins 10 minutes à garder, oui. Tu m'as dit quoi? On voulait pas, je ouais, ferme je la barre. Hein. Ouais, tu vas oui, bosser, tout. Ça marche. Yes. À toutes. À toutes. Ah, parce que le pop j'aime bien, mais je préfère le petit. Ouais, voilà. Je comprends. Plus agréable. Ne filon. Bah, ça va écouter tranquillement. Un peu compliqué de d'avoir beaucoup de monde, mais. C'est ouais, le problème. Les sauts après... moteurs, c'est compliqué aussi. Hein. Ah, j'ai dû remercier les c'est, alors, c'est compliqué parce que les gens ils ont tendance à vouloir directement le plus gros moteur qu'ils peuvent mettre. Ouais. Plutôt que de se dire, je mets un petit moteur et après j'ai le temps d'économiser. Ouais, c'est déjà très pressé. Moi, je veux le plus petit. Ouais. Genre, le mieux pour ma voiture. Avec voiture, vous laissez celle-là, si vous comme avez ça, vous budget, avez, vous faites vos trucs et vous me foutez la paix. C'est faisable. Mais tout le monde a tendance à vouloir directement mettre le plus optimal, le plus gros, le plus... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas forcément le plus gros. Moi, je veux vraiment ce qui est bien pour ma voiture. Quoi, il n'aurait pas ? Qui est vraiment... Qui a un équilibre entre la maniabilité et la vitesse. Ça reste une Phenon, ça reste très maniable. J'aimerais bien cette maniabilité. Je comprends. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous avez en objectif de vitesse en tête? Je sais qu'elle part à 180, 200, enfin, un petit 210, 205, c'est très bien quoi. Et encore, elle monte des fois à 200, mais c'est très rare. Laisse-la dehors, y a pas de place dedans. Ok, ok. Un petit 200, c'est très bien, ou même 190, quoi. Juste de quoi la faire un peu. Donner un peu de peps quoi. Juste lui donner un peu de peps. Mmh. Ouais. Ouais, ça va, on va pas aller chercher dans. Enfin, tout dépend. Il va falloir que je regarde ce qu'il y a dedans, mais on va pas aller chercher dans un trop gros budget normalement. D'accord. Ça va. En fait, il y en a pour tous les budgets, c'est ça qui est bien. Il y en a pour tous les budgets. Si vous voulez pas prendre beaucoup de puissance, je vous fais pas prendre beaucoup de puissance, mais vous allez gagner en confort quand même. Non, ouais, c'est ça. Moi, c'est pas là, vraiment la vitesse que je cherche. Je cherche quand même de la vitesse, évidemment. Je fais pas un soft moteur pour vous pour rien. Mais je cherche vraiment à être à l'aise dans ma voiture. Faire de la vitesse pour dire de faire de la vitesse, ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. De toute façon, on est déjà en 7. Ouais, ouais donc son grand max avec 2-3 boss, c'est 200-210, pas plus. Ouais, c'est ça. Je l'ai acquéri à Vind, je sais que... Ah bah c'est mon frère. Bah oui. Et du coup, je sais que qu'il en a pris soin de sa voiture, donc je lui ai fait confiance. Je me disais bien, la couleur elle est restée telle quelle, non? Ouais, j'ai tout laissé telle quelle, je la trouve magnifique. Donc, c'est bien ce qui me semblait, hein, c'est celle de mon couillon de frère. Ouais, je la trouve magnifique sa voiture, donc je l'ai acheté, et voilà, j'ai craqué. Hein. Ah bah écoute, vous avez bien raison. Je voulais une Felon. Faut se faire plaisir, il vaut mieux l'acheter d'occasion. Elle a déjà servi, elle a déjà les trucs installés dessus, plutôt que d'en acheter une neuve alors qu'il y en a un qui la vend, quoi. C'est ça, et en plus ça coûte moins cher, en occasion. Faut penser à se renseigner à l'exotique. Ouais, pas l'exotique, pardon, au paléto. L'exotique, c'est ouais, moi. Pensez à se renseigner au paléto. Ils font pas mal de véhicules d'occasion. Ils reprennent, ils revendent. C'est cool. J'ai vu, il y avait une jolie Taillegator. Ah, elle me fait de l'œil aussi, quoi. Ouais, mais c'est la Taillegator normale. Ah ouais, elle est bien. Ah ouais. C'est la Taillegator normale. Elle est bien. Avec un swap, elle peut être ultra puissante. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Elle a pas la possibilité. Elle a pas la possibilité esthétique de la Taillegator S. Ouais, je comprends. Ok. Mais c'est une amie à moi, elle est venue exprès. Je vais lui faire signe, lui montrer que je suis là. Il se barre pas quand même. Hop là, j'arrive tout de suite. Hein. Pas de problème. Brioche. Aïe. Et coucou. Ça va? Ça va et toi? Yes. Vas-y, viens. Désolé, j'étais en train de tester la voiture d'un client. Les autres, ils sont partis se faire offrir le café par Joseph. Non, quoi, aller visiter le...
en partie visiter le Gouv et se faire offrir le café par Joseph. Ah ouais, d'accord, donc enfin me dit qu'ils sont là, au final ils sont déjà partis quoi. Oui, mais ils reviennent après, parce qu'ils savaient que t'arrivais. Ah, bonjour mademoiselle O'Brien. Oh bah vas-y, va les faire. Allez. On va jeter un oeil là-dessus. Vas-y, je m'en occupe. Oula. Oula. Et ça, je te soulève, ouais, je te... Non, non, c'est pour te soulever comme un moteur. Putain, ils ont rien, je suis au flic. Ça va, et j'ai juste dit c'est pour te soulever comme un moteur, j'ai rien dit de... Hein, j'ai rien entendu. Après tout, je suis nardé, quoi. Exactement. Oh, mon Dieu. Ah, c'est branché. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce bébé? Bah, en vrai de vrai, on a une vaste possibilité. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ça peut mettre quoi au maximum là-dedans? Au maximum là-dedans, je mettrai un V8 4 litres, le plus petit des V8. Parce que, okay. Ouais, la voiture est déjà largement assez puissante en soi à la base. C'est vrai. Ça nécessite pas plus. Après, si c'est juste pour gagner un peu d'accélération et de... Un peu d'accélération, de vitesse max, ouais, et ça. Voilà. Ah bah tu viens de péter un deuxième, oui, à l'arrière. Honnêtement, un V6, 3 litres 6. On le factura pas celui-là. Faire le calcul de combien de façon, c'est avec la marge facture, de 15%. Alors, comme ça, c'est tout, ouais, le contrat. C'est curieux. En vrai, je fais ça, je viens voir, on va voir si j'ai le budget. Si j'ai le budget, je l'apprends. Mais... Là, on est sur une facture à 41 500 $. Ok, ça va. Donc, bah, je viendrai vous voir dès que j'ai l'argent. Après, après-demain, quoi. Pensez à prévoir un double des clés, puisqu'il faut que okay. Je la garde soit toute une après-midi, soit toute une nuit. Mmh. Le temps de travailler dessus avec mes équipes de nuit et tout le bordel, c'est quand même tout un boulot hein, de changer un moteur. Dans tous les cas, elle est sécurisée dans l'atelier, j'ai mes gars qui travaillent dessus, enfin voilà, ça craint ouais, rien. Ouais, donc ok. Mais okay. Il me faut un double des clés et il faut pouvoir me la laisser une soirée quoi. Une nuit ou ouais. Une après-midi complète. Ok, ça va, bah 41 000, ça va, je retiens. 41 500, ouais, c'est pas... On est sur un... ouais. On peut faire moins, je peux mettre un V6 3 non, litres non, et on peut descendre en prix encore. Ça restera confort quand même. Non, après-demain vous avez l'argent, pas de problème. Eh ben nickel. C'est parfait. Donc, on est bien payé à la SP. Allez, je vais vous mettre un petit coup de Karcher dessus parce qu'elle est. Ah, c'est lent, elle mérite. C'est bon, je peux payer la baraque. Let's go. Pourquoi il a mis des phares rouges sur une voiture bleue? Non, à la base ils étaient bleus, mais en fait j'ai voulu le mettre en mode police. Ah d'accord, vous avez les phares et rouges. Et du coup, quand je me suis réveillé, la voiture l'avait désactivé automatiquement, il m'avait mis des phares rouges. Ah merde! Pas normal ça? Bah ouais, c'est pas grave. J'allais dire pourquoi il m'a mis des phares rouges sur une voiture bleue? Non, parce que mon frère il est capable de faire ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Non, il a quand même bon goût, ça va. Et voilà, elle est toute neuve. Parfait, je vous remercie. Mais elle est belle comme ça. Bah écoutez, soit vous la ressortez, soit je la ressors comme vous voulez, soit je vous laisse repartir direct, Non, il y a juste le... Vous embêtez pas. Et bah ça marche. Bah merci pour tout. Bah avec plaisir. Je vous reviens. N'hésitez pas à m'envoyer un texto, si vous voyez que je suis pas là. Normalement, vous avez mon numéro, je vous envoie un message. C'est ça. Au pire des cas, on fait ça. C'est monsieur Rurik, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Problème. Voilà, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message comme ça. Si jamais je suis pas au garage, je me libère et que je peux me libérer, je viens directement, je récupère la voiture.
Et comme ça, mes gars, ils peuvent commencer à bosser dessus. D'ici... Ouais, d'ici après-demain, vous avez l'argent, certainement. Nickel, ça marche. Bon, allez, bah... Allez, bonne soirée à vous, bon courage. À vous aussi. Au revoir. Alors, mademoiselle O'Brien. Ça va ou quoi? Ça fait quoi de beau? Bah, alors là, ce soir, c'est garage. Hein. Alors ce soir, je... Ah ouais? Ouais, ouais, ce soir, j'ouvre le... Bah, je suis pas ouvert souvent, tout le temps, donc ce soir, j'ouvre, et puis voilà. Hein. Ah d'accord, il les a mis clignotant LSPD, c'est ça qu'il disait. Oh putain, mais c'est un fatigué, lui. C'était un vague... Non, c'était un outlaw, ça. Ouais, outlaw, ouais. Ouais, parce que moi, il faut qu'il me laisse la voiture pour le RP. T'as personne qui est là, du coup, de ton côté ? Si, j'ai Pepito, j'ai Richie, j'ai Jean, mais le problème, c'est qu'on a vendu tout ce que vous nous avez filé hier, on a vendu à une vitesse folle. Yep. Nous, c'est pas notre activité qui nous plaît le plus. Hein, on va pas se mytho. On est des pilotes, quoi, donc vendre de la dope à pied, voilà. Hein. Oui. Et un peu, voilà. Donc, on a réussi à sortir 73 000 pour acheter une Sultan classique, enfin une Sultan normale, full perf de l'époque, qu'un Ballas venait de revendre à Kenzo, qui me l'a faite du coup à 60 000 alors qu'il comptait la vendre 80 000 prix concesse. Putain. Alors qu'elle est full, il me l'a fait à 60 000 parce que c'est WAM. Donc, du coup, on l'a acheté, on lui a fait modifier les couleurs, les jantes, un peu l'esthétique. Là, il faut qu'on la swap. Ouais, en fait, il nous fallait une 4 places pour faire des supérettes. On va pas se mytho dans pas longtemps. Ouais. Si Tommy se rappelle que hier, je lui ai demandé des lockpicks et qu'il me dise ce qu'il lui faut pour qu'il me fasse des lockpicks, je lui fournis ce qu'il me faut. Je lui fournis ce qu'il faut. Mais bon, je pense qu'il a oublié. À voir avec. Je te garantis pas qu'il s'en rappelle. En fait, j'ai besoin. Ouais. Je sais pas, avant que ça, j'étais pas là. Donc. Parce qu'en gros, s'il me fournit des lockpicks, nous, dès qu'on a les sous, je swap le moteur de la Sultan. Et la Sultan, ça va devenir un monstre qui va nous permettre de faire des sup. Donc, on va pas prendre l'otage pour des supérettes où il y a personne dedans. Hein, ça sert à rien. Oui, 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 clairement. Par contre, si on y va à 4 et que on a deux gars dans la voiture au cas où. Et un gars dedans qui fait le coffre et un autre qui fait les deux caisses. Tu mets deux gars dans la voiture, ouais, là, côté pas, moi, gauche. J'ai jamais fait ici. Techniquement, il y a deux caisses. Il y a les deux caisses enregistreuses à péter et le coffre à forcer. Donc, tu sais, je mets un pilote, un gars passager derrière le pilote. Sécurité, tu vois, comme ça, ils peuvent surveiller les angles d'arrivée des keufs. Un gars qui force les. Les coffres et tout. Un gars qui force le coffre et un autre qui force les deux. Les deux caisses enregistreuses de merde là, je cherchais les caisses. Ouais, les deux caisses enregistreuses. Puis moi aussi. Une fois qu'on a tout le fric. Je suis en train de chercher aussi. On pète un peu des trucs histoire de faire genre qu'on dévalise pas que l'argent. C'est un peu tout là. Une fois qu'on a foutu le bordel pendant 5 bonnes minutes là, on se barre. Hein. Voilà. Mais il nous faut une 4 places. Faut pas le faire avec ça, c'est pas possible. Non, elle est bien, mais elle monte qu'à 2,20, tu vois, c'est pas... Elle est pas encore... Enfin, 2,20. 2,20 avec des petites bosses et tout ça. Hein. Comme je peux que y coller un V12 dedans, il faut que j'attende d'avoir 100 000 balles, donc... Autant dire, c'est pas pour tout de suite. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Pas donné. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il nous fallait une Sultan. Oh, un lapin. Yep. Presque envie de lui mettre un gros geek sa mère là. Ah bah voilà. Attends. Ouais, ouais, je m'éloigne, ouais. Oh. T'en as pas? Ah merde, il est pas mort.
Comment ça, il est pas mort? Bah, je peux pas le déposer, il est... Il bouge encore. Ah, c'est bon. Oui. Miam. Ouais. C'est une grande malade. Comme ça, la sauvage. Ouais. Ça me rappelle des beaux souvenirs, ça, tiens. Ah bah merci, on va faire un feu de camp dans le garage. Vas-y. Allez, let's go. Tu rigoles, mais on se met en face, on fait un feu de camp là-bas. Ah, merci. Oui, je sais, j'ai pensé. Attends, on va faire ça. Je suis pas sûr que les keufs, ils apprécient, mais pas les couilles. Elle s'est fait livrer une voiture au buffer où elle a ce qu'il faut pour faire les pour faire les feux de camp. Ah ben le lapinou il a mouru. Et le lapinou il va devenir ça. Wesh. Oh putain, c'est son branleur. J'aime pas ses peaux. Je les ai sur ma Schlagen STR, mais je coupe le pop. Attends, faut que je prenne le truc pour l'allumer. Mais elle est vraiment partie se mettre là-bas au bout. On pouvait le faire là, juste en face du garage. Non, non. Elle m'a amené jusqu'à là-bas derrière. À côté des toilettes. On nous met à côté des toilettes, toi. Au lieu de nous mettre la main, tu nous mets à côté des toilettes. Mais oui, mais c'était... Voilà, c'est pas... Plus joli ici, ouais. C'était juste parce qu'il y avait plus d'espace ici. Ouais, bah ouais. Juste pour que ce soit pas trop près de ton garage non plus. Ouf, ça. Comme s'il faut que je me rappelle maintenant. Ils ont cuire une bougie. Hop. Pour que je sois pas tout seul à faire cuire. Voilà. Merci. Bah merci à toi, ma foi. Bah non. Merci à toi. Hop. Faut juste que je me rappelle de comment cuire. Ah d'accord. Alors attends. Tu tapes. Ah d'accord. J'ai plus envie de me lever, ça y est. Ah bon? Non, j'ai plus envie de me lever. Ah, t'es verte.
J'arrive, je fais le tour du passé pour les poubelles. Je suis relou quand même. Ça roule. Yam. Ah mais c'est grave. J'arrive pas à me... J'ai perdu la mémoire, j'arrive pas à me rappeler comment je fais cuire la viande, c'est grave. Ah ouais? C'est quoi cette dinguerie hein? Et merde. Tu vois? Toi aussi t'es scotché à la chaise. Hi. Wesh. J'ai la jambe, elle a pris feu. Heureusement, c'est des habits de travail. Hein. Oh, putain. Heureusement, c'est des habits de travail, putain. Pipitou, il va me tuer. Putain, là t'as plus qu'à t'acheter une tenue là. Vaut mieux que ce soit tes fringues que toi quand même, tu vois. Oui, bah oui. Là ça aurait pu être tes fringues. Là ça aurait pu être toi au lieu de tes fringues. Ouais, bah j'ai un petit peu... Oui, ouais, bah oui, je pèse mon poids, oui. Ah oui, c'est un gros bébé. Oh putain, je te jure. Putain, j'ai que 3 scraps. Pas fou hein. Ah non, sur toutes les poubelles que j'ai fait, oui, c'est pas fou. Tu t'as fait cuire du coup? Non. Bah non, j'arrive pas. Et vous voulez quoi les ilos là? Faut que tu travailles. Ah ouais. Un peu. Arrête, attendez, bah le mec qui bosse ici là, il... Comme les chaises. Je sais pas ce qu'il a fait là, il a... Ah, et là je peux... Ouais mais alors de l'autre côté je pouvais pas. Enfin, je sais pas s'il l'a fait, il l'a appliqué ou et pas, c'est... parce que j'ai pas vu de facture passer, donc il l'a fait, c'est-à-dire qu'il l'a fait en zoom, ouais. Mais ouais, il avait dit qu'il avait bossé toute la semaine et tout ça, donc... Après, je sais pas si... J'ai l'impression que c'est une douille, mais... C'est quoi sa tenue, elle? Je sais, c'est ce que je regardais. Moi, à chaque fois que j'y étais, je l'ai pas vu, hein. Moi non plus. Elle ou lui, d'ailleurs, non, parce que de là, ça je me pose la question. Ah, alors que je t'avoue que... Et j'ai l'impression qu'il fait partie des... Je trouve que je faut que j'aille voir. Je crois qu'elle a un paquet. Hein. Je crois qu'elle a un paquet. Et madame, madame, t'as une kikette? Traîne avec eux, ça fait comme eux. Oui, elle a une kikette, oui. Il va falloir aller... Il y a un paquet, ouais. Ouais, il y a un paquet et il n'y a pas le nichon. Il y a des poils au torse. Merde. Il y a des poils surtout. Ouais, il y a des poils au torse et il n'y a pas le nichon, ouais. T'as cherché quoi? Je sais pas si je dois être choqué ou excité. Ouais, c'est vrai que t'aurais les deux en un là directement en fait, toi. Bah oui. Ah ouais. Tu veux que je te la ramène? Non, mais en fait, non, parce que c'est pas fun, tu vois. Ouais. Parce que le plaisir d'une femme et le plaisir d'un homme, c'est bien parce que c'est différent, tu vois. Bah ouais, c'est vrai. Bah tu pourrais au moins lui tirer les cheveux. Tu sais pas une perruque. C'est pas une perruque, parce que là d'un coup tu commences à tirer les cheveux et tout. Tu t'apprends le. T'as les cheveux dans les mains. Ah bah merde. D'accord. Et paf, les cheveux dans les mains. Et tu te casses la gueule, ouais, et tu te tords le sexe. Ça descend bien vite aussi, je pense. Oui. Et paf. La boîte. Dodo. On t'a vu toi essayer de tirer les chaises, hein. Je savais même pas qu'il y avait des travestis dans le GTA. Bon, maintenant je peux plus m'asseoir. Ah là, la posture du patron. Et je vais m'acheter une chaise comme ça et je vais la mettre devant le garage, je vais m'asseoir. Et je vais attendre que les gens ils arrivent.
Et bueno, que lico, que lindo, caris Pepito. Vous faites une Ah, y'a Pepito. On avait besoin de Pepito et il est pas là. Ah, il faut l'appeler, je pense. Ouais, ils vont s'en occuper, mais je pensais que ça allait être plus rapide que le... par là. Oui, parce que c'est sympa pour être à la radio. Là, ils sont dans le même garage, hein. Ils sont tous les deux Wales Custom, les deux. Hein. Mais ils se parlent par la radio. Ah ouais. Ah bah moi, y'a aucun bruit sur la radio. J'ai un trou. J'ai un trou à ma jupe. Comment ça t'as un trou? J'ai des trous. Quand je m'assois, j'ai des trous au cul. Oh, mon cul est trop gros. T'es sérieux? Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Regarde. Attends. Vas-y. Viens voir. Viens voir. Je te jure que c'est vrai. Regarde derrière. Ah ouais, putain, y'a des trous au cul. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Non, parce que t'aies un trou au cul, c'est normal, tout le monde en a un. Mais oui, là, y'en a plusieurs. Ouais. Mais c'est un qui est pas censé être là, quoi. Ah, c'est juste que ta sexitude ne rentre pas dans la jupe, c'est tout. Comme ça qu'il faut voir la chose. Mon gros cul ne rentre pas. Ouais, pas gros. Ça va, tu m'as pas mis ton giga jean. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais aller me changer. Ah putain. Oui. Ou alors faut que je me sèche avec le feu. Non. Non, c'est bon, j'ai brûlé moi déjà, ça suffit. Bah c'est pour me sécher. Pourquoi? Putain, on est dans l'eau. Pourquoi t'es toute mouillée? Bah ouais. Bah parce que j'étais dans l'eau avec toi. Mmh. C'est bizarre. Mmh. Oh, merde. C'est encore plus chelou en fait. Ah bordel. Ouais. J'ai dit que j'allais passer la soirée là, mais je sens qu'il va y avoir personne. Ah, tu vas te faire chier en fait. Hein. Bon, moi je suis payé, hein. C'est ce que je te dis. Le problème c'est qu'actuellement, pas grand chose quoi. Vous avez plus la laverie, donc c'est mort. Bah moi j'ai Brioche à 20h40, elle m'appelle. Oh coucou, tu fais quoi machin, t'es où? Ah on est avec Rurik et tout. Ouais, c'est un petit peu 21h40, là 21h20. Ils me disent de venir ici au final, ouais. Au final ils sont pas là. Bah c'est ça quoi. Mais ils m'ont dit on va visiter chez Joseph, on va se faire payer le café et on revient. Donc je sais qu'ils sont partis voir les trucs de gouverneur, mais d'avis qu'ils sont partis visiter le gouvernement là-bas. Ouais bah ouais, mais enfin dans ces cas-là tu dis pas tiens on est là. Bah, bah ouais. Dans tous les cas je serais passé pour te voir, ça c'est sûr. Mais c'est le fait de dire ça et au final bah ils sont pas là. Je suis dans la voiture du gouverneur. Bah ouais, c'est ça le problème. Et tu sais ce qu'on a oublié? Oui, je sais. Mais j'en ai plus sur moi, je crois. Ah si, j'en ai un. C'est de la pure. Oh! Ah oui! Hi, non! Alain! 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 Oh putain de merde! Oh, non. Oh, des barres.
j'ai fait un câlin, on a fait brûler toute la zone. J'espère qu'elle est pas KO elle aussi. Hein. Non, ça va. Putain. Ah, des barres. Pouh. Les coques du frein, oui. La durée d'huile pour les freins, bim. Putain, y'a pas d'endroit que je peux te poser. C'est ça, tu lui tiens un peu. Et juste qu'il tienne un petit peu, tu vois. Allez, et c'est si ça. On lui demande un truc, et s'il veut pas, allez, ding, ça pète. Elle est petite ta portière, allez. Elle est montée en kit. C'est drôle. Sur, dans le marchand de journaux, très, là, numéro 1 avec votre fascicule. Hey, Coco. Ah bah c'est bon, putain, j'allais t'appeler. Je t'ai posé là. Ah, des bas. Voilà, t'as arrêté là près de moi. Coco. Oh putain. Désolé. C'est ma faute. Comment ça va, papy? J'ai voulu faire un câlin près du feu. J'ai chaud. Ah, oui, d'accord. T'as très chaud. C'est un câlin qui nous a enflammés. C'était un câlin qui m'a mis on fire, ouais. J'étais chaud comme la braise. Bon, ben, on va aller déranger à l'hôpital alors. Oui. Oui. Ben, moi, je vais devoir venir aussi parce que. Ah, ben, on va vous transporter tous les deux, t'inquiète pas. Ah, c'était. Non, c'était pas vous deux quand même, si. Mais si. Si. Oh putain de merde. Aïe, quand même. Oh bordel. Allez, venez. Moi que je suis, mais quand même, quoi. Et bah, allons-en. Et je voulais le porter pour l'emmener hors du feu, mais impossible, le feu. C'est... Je voyais plus, il y a autre chose que Gambi, la survie, le garage, bande de bouffons. Et je vais regarder si ma moto. Voilà, je vais vous aider à rentrer. Et n'oubliez pas ma ceinture. Non mais, sérieux quoi. Bah écoute, au moins tu t'en doutes pas hein. Ah bah écoute, au moins y'a de l'action. Oh putain. Mais j'ai vu, comme les effets spéciaux elles là. Elles sont cramées, laisse-toi. Merde, les chaises sont cramées. Quel bordel. Non mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est toi qui s'importe. Comme les épées spéciaux, oui. Comme il s'est propagé, je pouvais même pas. J'ai même pas pu venir t'aider. Moi, déjà, t'en es mieux tiré que moi, donc ça va, c'est le principal. Bah non, c'est toi le principal. Bah non, c'est toi le principal. Bah non, c'est. Vas-y, finis, tourtereau. T'entends ce prix? Là, il est jaloux. Absolument pas, non. Maintenant on va se faire un date hobby. Date hobby. Bah ouais. On entend ici, oui, t'inquiète. Bah il est après passé dans les mains de Rick. Après le date enflammé et le date hospital. Oui, il m'a dit Rick tout à l'heure qu'ils avaient fait un swap dessus. Ouais. Ah oui. Ah mon pépito, j'ai cramé, mais c'est vrai. On est sur le camping-car le plus rapide d'Amérique.
Bah déjà juste avant tu t'es cramé le cul, je t'ai emmené dans l'eau. Ouais, je me suis cramé une jambe juste 2 minutes avant, genre. Oh putain. Ça va, c'est mon pantalon qui avait pris feu, mais là... Ah, t'auras tout fait avec moi. Ah bah écoute, tu me mets en feu à chaque fois, hein, c'est incroyable. T'as mouillé, t'as cramé. c'est chaud comme histoire. Tu sais, ils font des jets chauds et froids à la place aussi. Ah, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Hein. Oh putain, il fallait que je la sorte, je suis désolé. Feu ça brûle. Feu ça brûle. Et l'eau ça et mouille. L'eau, ça... Bon, moi j'avais encore comment parquer. Alors je sais pas, mais moi je crois qu'il va falloir faire une IRM aussi, Pépito, parce que le cerveau il est en train de partir en couille là. Hein. Ouais, t'inquiète. Non, son cerveau. On commence par qui en premier. Par lui. Ok, la bien, correct. Allez. Oh putain de merde. Ouais, ça c'est chaud, pourquoi pas. Allez, pop. M'allonge, aïe. Ouais, t'enlèves ton pantalon et ton t-shirt. Ah, faut que tu sors sa bagnole, faut que tu la mettes à côté. Ouais, ouais, t'arrêtes pas, c'est normal. Ouais, bah non, bah de base, j'avais un petit lapin, tu vois. Je vais quasiment jamais à l'hosto, il m'arrive quasiment jamais rien, j'ai du cul en vrai. Une pommade hydratante et on va regarder le degré de brûlure en même temps. Ah, y a une jambe, elle a dû bien flamber, ouais. Ouais, à mon avis, oui, je vois ça parce qu'il y a des cloches. Mais y a une jambe, elle a brûlé 2 fois, non? Ouais, ouais, c'est le cas de cloche, à mon avis. Ah, oui. Celle-là, je vais devoir mettre un fil gras par-dessus. Ah bah, je le sais, depuis tout à l'heure, j'y étais. Enfin, j'étais à l'auto-exotique. Mais là, clairement, nous... ça sert à rien de venir voir Rurik pour le moment, hein, tout. Voilà, ça c'est bon pour la Tilkra. Maintenant, je vais te mettre de la pomme. Je sais pas ce qu'elle leur dit. Oh putain, débat. Elle me régale, j'aime trop. Trop drôle. Elle me régale, elle est trop forte. Juste parce qu'on s'était pas fait le calais pour se dire bonjour, parce que j'avais un client. Du coup, j'ai voulu faire le calais, je me suis enflammé, je l'ai enflammé, la pauvre. Elle me régale, Harley, elle est trop forte. Et voilà, papy. Putain. Je vais te mettre une perfusion dans tes douleurs. Ça fait longtemps que j'avais pas été on fire comme ça. Oh ouais, t'es m'étonne. Et je vais aussi te mettre de l'antal chic. Et voilà, papy. Je vais te transférer. Non, Pépito. De quoi? T'es musclé, Pépito. Ben, j'ai fait des sports ce matin. Vous jouez ou non entre deux? Oh, il le porte comme une princesse. Et comment il me soulève? Oh, princesse Ruri qui comment se il me soulève? Ah ouais. Ah, c'est un traitement du seigneur, ça. Mais c'est parce que c'est moi, hein. Il le fera que pour moi, ça. Allez, je te laisse allonger. Ok,
Eh, ça va, en dessous, ils mettent des trucs. Ah ouais, ils mettent des slips. Oui. Normalement, il n'y a pas de slip là-dessous. Hein. Normalement, t'as rien du tout en dessous. J'avais placé les perfs. Il a fait en sorte que j'ai pas les baloches à lire. Et voilà. Ouais, ça va, ils sont pas cramés. Alors, mes baloches, non, mais j'ai une jambe, elle a bien brûlé, oui. Ah bah, elle a brûlé deux fois quand même. Alors, à toi. Eh ben. Un mécanicien, c'est pas un métier de tout repos. Enfin, pas mécano, je suis pas mécano au sens propre, mais préparateur automobile, c'est pas un métier de tout repos. Ah bah. Ensuite, avec des personnages comme ça. Hein. C'est-à-dire. Après, je dis ça, mais je crois que c'est un chat noir. À chaque fois qu'il est dans les parages, il se passe des dingueries. Allez, mais non. Ça fait longtemps que je la connais, moi. Ça fait très longtemps que je la connais. Hein. Mais ça va, c'est le pire truc qui vous arrive. Ouais, ouais, en sa présence, ouais, c'est le pire truc qui me soit arrivé, ça, oui. En espérant que c'est ça reste le pire. Oui, j'espère, oui. Non, mais c'est bon, putain, on était en plus cuir de la viande et tout. Ouais, bah, j'imagine. Hein. J'allais te chercher, mais impossible. C'est trop propagé. Comme quoi, s'imposer. Et bah, ouais. Ah, quelle connerie. De toute façon, on se reprosera tous quand on sera mort. Hein, de toute façon. Enfin, si je pouvais pas mourir tout de suite, ça m'arrangerait. Ouais, ouais. Des choses à faire encore. Bon, l'hôpital. Ouais, l'hôpital. Ouais, je suis ancien patron de la brasserie. J'avais besoin de changement. Je me suis dit, à l'hôpital. C'est pas là pour le. En ce qui concerne le changement, ça change, oui. Ouais. Changement, c'est maintenant, il paraît. Ouais. Il faut que j'arrête de raconter de la merde. C'est le feu, on va dire. Et... 10 secondes avant, on était à la flotte. C'est n'importe quoi, putain. Comme quoi, c'était pas assez humide entre vous. Hein. Bon, les gars, j'ai cramé, mais tout va bien, je suis toujours vivant. Hein. T'as dit quoi? J'ai dit, j'ai pris feu, mais je suis toujours vivant. Quoi? T'as pris feu? Oui, j'ai pris feu, je suis à l'hôpital. Mais putain. Ouais, je vous raconterai une sombre histoire de câlin près d'un feu. Ah, dit comme ça, c'est peu glorieux. Hein. Ouais. Bah alors, Pépito, il va te passer de la crème. Ouais, il m'a mis un petit doigt dans le cul là. Ouais, non. Ah bah, c'est pour ça que t'es content. Je comprends mieux. Oui. J'aime bien parce qu'il dit directement, mais non. Non. Bah moi, nous, on a réparé le véhicule du coup. T'as pas encore 60 ans, il y a pas encore tété les tests. Ouais, non, mais Pépito, c'est pour le plaisir. Ah bah, ouais. Oula. Ouais. Oula. Non, c'est pas vrai, je te marche pas dessus. T'as la cul. Ah, c'est bon. Coucou. T'inquiète pas, Pépito, il va te passer de la crème matin et soir. Bah, de toute façon, on vit sous le même toit, donc il va pouvoir me crémer comme il faut. Il te mettrait même sur les baloches. Oui, je sais. J'étais sûr. Oh, j'ai retiré la perte.
Il a retiré le truc qu'il a oublié aussi. Non, 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 ça je il l'ai toujours. Il avait perdu sa bague. Oh, c'est sale. Et voilà. Ça l'a très bien, papy. Yes. Allez, princesse Rurik, debout. Bon, j'appelle la facture à qui? Bah, à moi. À moi. À moi, à moi, à moi. À moi? 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 Bon, tu debout parce que là, je pourrais pas faire une bonne inflation. Au pire, on fait deux factures, hein, c'est rapide. Bah oui. Non. Tout à moi. Putain, mais je suis notifié d'un groupe de texto et je reçois pas de message. Voilà, dinguerie, là. Et voilà. Oui. Merci. Pourquoi j'ai été notifié d'un groupe de texto et j'ai pas de message? Je sais. Voilà, connerie, là. Et merci. Pas de rien. Merci à toi. Oui, ouais, merci. Comment qu'on fait pour recevoir un texto d'un groupe de texto, là? À droite, non. Si c'est un truc de groupe. Oui, mais j'ai été rajouté dans le groupe. Mais mais j'ai les notifs, je suis sur les messages groupés et j'ai pas le message en question. Ah. Bon. Je sais pas. Oui. Voilà, et là j'ai un nouveau texto du même groupe et je vais toujours pas et je l'ai toujours pas. Putain. Téléphone de merde. Bah ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Bon appétit, Pépito. Merci. Bon ben, ça va s'accompagner. On nous ramène jusqu'au garage. Ouais, ouais. C'est un amour. Attendez, je suis encore un peu perdu. Mais il a l'air giga grand, cet hôpital Saint-Fiac, là. Par là ou c'est pas par là? Gauche. Bim. Oh là là. Le Saint-Fiac hôpital. Il est magnifique, hein, par contre, l'hôpital. Ça, façon, oui. C'est par quoi tous ces médecins ATM, fainéants? Il meurt tout le temps parce qu'il y a tout le temps un technicien devant, là. C'est quoi tous ces médecins flemmards, là Mais ouais. Il y a quelqu'un sur la radio? Oui, oui, je suis là. Ah, parce que j'étais à côté de Richie, il n'y a personne qui parlait. Vous avez eu des textos de Bagarland ou pas? Non. Putain, moi je suis censé avoir reçu un texto, mais j'ai pas le groupe de messages, donc je peux pas le lire. Ah. Il y a un monde devant, je vais monter derrière moi. Les keufs, ils vont pas venir toutes les demi-heures. Hein. Non, vas-y, monte devant. Il y a mon collègue qui est à l'accueil, moi je raccompagne vite les patients. Ok, je t'attends ici alors. Oui, oui, parce que c'est en pire qu'il y a un collègue comme j'ai dit à l'accueil. C'est qui le patron? Tu veux le pop and bag? C'est moi. Bah, j'ai besoin de toi alors. Bah, ok, ben ça arrive. Vas-y, merci. Comment on est tous les deux dedans? Bon, j'ai vu une caravane passer, mais c'était pas la même. Il faut que j'arrive à savoir qui m'a envoyé un texto là, Bagarland, je sais pas quoi là. Bah je sais pas, ils m'ont rien dit en radio, donc je sais pas si
dans tous les cas, au final, ils m'ont dit de te rejoindre. Et après, elle me dit, ah bah au final, on est au LS. Ah oui, oui, non, mais... Donc dispersé, hein. Ouais, je sais. Et voilà, monsieur et madame. Merci, mon Pépito. Merci, Pépito. Oui. Ouais, t'inquiète. Merci pour ma passe. Normal. Jean, tu viens de partir où? T'entends pas que je fais le coup à côté? Ah bah. Bah, il s'est réouvert la porte. C'est toi avec le pot là? Attends. Ah. Bon, comment ça va, Rurik? Ça va, ça va. Bisous, Pépito. Ça va, je suis sorti de l'hôpital, tout va bien. Pépito m'a enlevé le corps de crème. Mais s'inquiète pas, les tiens, pour toi là. Oh bah, pff, non, ils m'ont rien demandé, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont ce soir là? Oh, je cherche plus un Pépito, la macrémeuse. Donc c'est pas Quentin qui a créé bagarre. Ils veulent faire leur vie de leur côté, ben qu'ils fassent leur vie. Ah ça y est, j'ai le texto. Oh putain, c'est les Families. Ils veulent organiser un concours de baston. Quand ça? Je sais pas, j'ai pas le premier texto. Moi, je viens de recevoir les textos, c'est Lilo Stocké, Balas Avalanche pour l'interrogation. Donc je sais même pas en fait. De quoi il parle. Je vais pas dire ok alors que je sais pas de quoi il parle. Hein. Non mais... Putain... Fallait ranger mes trucs. Oui, ça veut se bastonner. T'as dit que c'était pour ça, du coup? Oui, oui, c'est pour se bastonner d'ici 20-30 minutes à un endroit. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont passés voir Pépito pour lui demander s'il voulait pas venir pour soigner. Concours de baston d'ici 20-30 minutes organisé par les verts, on va leur péter le huc. Bah écoute, why not, hein? Histoire de leur rappeler qu'on leur a déjà pété le cul pendant le concours des mongrels. Allez. Ouais, on va leur rappeler. À part la meuf qui mettait des uppercuts, on les a tous couchés. Hey yo la team. T'arrives au bon moment tout toi. Seul. En 30 minutes de concours de baston organisé par l'IVA. Bah je voulais dire en radio, moi j'étais à l'hôpital et je suis plus à l'hôpital. Il y aura les violets pour la première fois, on va les croiser. Bah ouais mais si vous me le dites pas, déjà tout à l'heure on devait se rejoindre ici, je vais pouvoir ôter pendant je sais pas quand. Bah j'ai pas entendu. Bah là je suis au garage. Tout ah fait. Avant de prendre la fin de ton service, fais le job AD. Ça fait passer une heure que j'attends là, il se réveille maintenant. Par contre si c'est payant Non mais
Bref. Oui, oui. C'est tout là. Ils se mettent quand tu vas aller manger. En ah, tant que t'es là, t'as oui, surtout oui, ça va être l'heure, c'est toi. 1000 balles pour la maison. Non, mais c'est ça, c'est pas comme si ça avait. Non, elle m'a repassé des thunes. Tu dois avoir des petits problèmes. T'as des petits problèmes d'exécution de voix sur tes fins de phrase. Ah. Oula. Putain, j'en ai même pas plein mon cul et je donne tous mes sous. Bon bah pour maintenant, de toute façon, je vais pas tarder donc. Yes. Nickel. Oui, ça va être pour mieux à toi. J'ai les zappés. Bon, on aura bien rigolé, il y aura eu de l'action au moins. Et toi, du coup ? Moi, je suis à l'exo. Bah. On va arriver à l'exo pour aller vers les verres. Mais bon, tu vas faire la porte du cutru. Ça aurait été mieux de pas cramer, ça je te l'accorde. Mais bon, on peut pas tout avoir, il paraît dans la vie donc. Non mais s'il te plaît, là. Non mais ils se foutent de ma gueule en fait. Ce coup-ci ils sont partis au casino en fait. Mais il a rechangé la couleur de sa caravane. Y a Tommy qui dit en radio, bon bah on est parti, on a fait une halte au casino et puis après on passera au garage de Rurik. Ok. Mais non mais ça veut dire qu'il a rechangé la couleur de sa caravane parce que c'est lui qui vient de passer à balle devant. Y a qu'une caravane qui va à cette vitesse là. Ouais bah oui. Moi je dois déconner. Fatigant. Mais là en mode fermé et puis c'est bien. Qu'est-ce qu'il va faire lui ? Il est suivi. Hey yo. Là techniquement elle est fermée mais. Parce que ça c'est mon frère ça. Comment ça va ? Bah ça a cramé hein mais ça va. Oh mince. Ouais dur. D'abord j'avais la troisième jambe en feu donc elle m'a jeté à la flotte. Du coup on était tout mouillé. Ah. Ensuite, on a voulu se faire un câlin. Seul, ensuite, ouais. On a voulu se faire un câlin près du feu et j'ai brûlé. Et elle aussi. Ah. Ça fait quoi de passer de tout mouillé à tout sec très chaud ? Bah alors, tu suis pas ? Ça fait mal. Bah, j'aurais préféré utiliser un chien. Mais de loin parce que tu te vois faire des dingues. Je m'étonne. Ça fait moins mal. Ouais, c'est clair. Attends, ma radio, les gueules. C'est foireux dit comme ça. Hein. Oh là là. Donner des explications pas clairement compréhensibles, c'est incroyable. Du coup, j'ai une jambe bien cramée, moi. On se faisait un câlin et j'ai brûlé, qui est épique aussi. Bah oui. Ah, c'est ça. Mais les deux ils ont mis les pop and bang là. Le câlin nous a enflammé. Voilà. C'est ça, c'était un câlin, il était hot. Et les deux vous êtes mis le pop and bang là. Putain. Non, c'est y'a que Jean qui s'est mis. Tu sais pourquoi on a pris feu ? Mais y'avait pas Richie en fait. Hey yo. Ouais yo. Ah, on a fait bisous tête aujourd'hui, c'est pour ça. Bah oui. C'est pour ça qu'on a pris feu, tu crois ? Mais ouais, cherche pas. J'ai le crâne luisant là, allez-y. Ouais, tu tousses aussi, ouais. Ouais, je tousse un peu, ouais. Et puis t'es t'as pas besoin d'un sirop ? Ouais. Si, ouais, si t'as un petit sirop, c'est oui. Chaud. Normal, il va te le vendre, il va te le vendre, ça y est. On a le petit bisou tête. Bisou tête ! Let's go. Moi, je me mets à l'abri. Thank you.
sera mieux pas sous la pluie. Oh bordel, pourquoi il s'est mis en tenue de boxe lui? Mais voilà, sans brûler, c'est mieux quand même, hein. Ouais, c'est mieux quand même. Effectivement, maintenant que tu le dis, c'est tout cramé là-bas. Mais oui, oui, oui. Mais ça a vraiment beaucoup pris, hein. Je te jure, hein. Au début, ça se propageait comme je sais pas quoi. Oh merde. Ah non mais plus jamais, hein. Plus faire de câlin près du feu. C'est pas de bonne idée. Non, les câlins près du feu c'est dangereux. A changé de voiture entre temps, mais qu'est-ce qu'il y fait? Non mais d'avis que on va vous voir à la bastonnade des familles aussi. Ah ouais, mais maintenant ils savent plus sortir que les voitures, quoi. C'est bon, les problèmes c'est bon. Pas du côté MC Coaché, hein. Bah ouais, mais ils sont plus qu'en bagnole. Ah putain. Eh oui. Et Richie, on va à un concours de bagarre, on va pas à un truc de boxe, hein. T'es pas obligé d'avoir ta tenue. À mon avis, ça va être de la bagarre sauvage. Parce que c'est la scrim. Bah oui, non, mais c'est pour. Ouais, mais je peux pas faire les deux. C'était des Lost, j'aime pas les motos. Si j'enlève les gants, j'enlève mon haut en fait. Du coup, bah. C'était des Lost, t'aimes pas les motos? Mais non, mais je me comprends. Vous, c'est un cas à part. Là, c'est la famille. Quoi. Vous, c'est l'ami. Oui, mais on a déjà la pause. Famille, c'est le sang de la veine. Enfin, le sang de sa veine, pas de la mienne. Hop là. On a déjà la pause. C'est où? Et moi, la conversation, elle, je sais pas, j'ai les notifications sur mon téléphone, mais je vois pas les messages. Ouais, mais ça m'a fait pareil, puis d'un coup, j'ai eu les messages. J'en ai 4 20. Ouais, et du coup, y'a qui convient? Bah, ce qui est pareil, y'a les Bolos, les Lost, les Families, et nous. Okay. Ouais, en gros, c'est dans le terrain de drift illégal. Oui, bah oui. Ouais, bon, je vais pas pouvoir rester bien longtemps, hein. Donc, bien. Ah bah toi, il faut que t'ailles manger, toi. Même moi, faut que je mange, je crois. Après, pourquoi l'endroit qu'ils nous ont dit, je le sens pas. C'est le parking de drift illégal. Oui, oui, non, mais c'est pas. De toute façon, vous avez tous un couteau sur vous. Yes. Voilà, si ça part en couille, on sait quoi faire, c'est tout. Je vais fermer le portail et tout. C'est quoi ce garage là? On est sous un bâtiment, on est obligé. Je sais pas si je mets la chemise ou le teddy pour la baston. On va mettre le teddy. En tant que hooligan, je me battais avec un teddy, donc Ouais, t'inquiète, je verrai pour cheater des autres. Yes. Non mais je les veux pas pour moi, mais ouais, mais c'est juste pour prendre une photo. Dans ton garage, hein, parce que là on est protégé, on est... C'est un atelier ça, monsieur. Dans ton atelier. Bon, là, tu regarderas, Vin, je t'ai envoyé un mail. On va aller se foutre sur la gueule.
contre, on va prendre deux voitures, les gars. On va pas en prendre 15 000. Ouais, tiens, elle peut rester là. Moi, j'aime bien la sortir, la laisser quelque part. Abandonne. Allez, eh ben, je quitte mon service et en route. Allez. Aïe. Moi j'ai une rancœur profonde. Je pense que je vais l'extérioriser aujourd'hui. Ah, eh bah vas-y. Ne casse pas la tête, les verrons, on leur a pété le cul au tournoi du Tal Gunner. Ouais, pourquoi il a des musiques de. Mais je veux péter du bolos. Bah il est pour les autres, mais moi je sais pas la meilleure. Enfin, les messages déconnent que j'ai des notifs, mais j'ai pas les. Mais je lui ai dit où c'était. Je veux que les mâchoires crachent. C'est où sans... Et comment qu'ils vont faire là? Comment qu'ils vont faire pour réanimer tout le monde? Ouais, je pense qu'ils sont, ils sont venus voir Pépito tout à l'heure quand il nous a ramené ici, donc je pense que voilà. Ok. Vas-y, ça marche. Donc, tu vas aller manger toi? Ça, ça serait bien de que je suis là. Bah ouais, ça me fait chier. Déjà on me fait poireauter ici pour que dalle. Moi, bon, dis que t'étais pas contente de passer du temps avec moi et qu'on prenne feu tous les deux après un câlin rude. Bah, si, c'était cool. En diablé, carrément. C'était trop bien. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on prend un peu pour une conne, quoi, c'est tout. Oui, puis surtout qu'ils sont passés au casino, mais ils sont pas venus. Hein. Non, mais c'est... Putain, j'ai oublié d'aller au casino. Oui, moi aussi. Eh bah, allez, hein. Avant d'y aller. Non, 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 on aura pas non, le temps. Non, mais avant, il faut que faut que j'en tire. Non, non, on va direct là-bas. Il faut que je retire, que je passe chez nous, que je passe, que je mette l'argent. Mais tu me feras après ça. Et t'es pas obligé de retirer pour mettre l'argent. Ah ouais ? Bah oui. Ok. Bah du coup, bah, elle demande la bagarre, hein. Et bah let's go, on y va. Merci pour la petite viande grillée. Bah ouais. Bah merci à toi aussi. Bah oui. Viande grillée. Là, j'ai envie de dire. Ah bah ma foi. C'est pas sur mon club que je peux compter. Bah là pour le coup, ouais, un Tommy et Bébou là, mérite des claques. Non, hein. Oh, mais c'est pas. Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur nous. Exactement. Ah oui, bah oui. Ça, je le sais. Allez, mission, on prend deux voitures et on se bouge. Allez, deux voitures ? Ouais. Bah oui, on a que des deux places, donc on prend deux bagnoles. Hein. Laquelle est la plus propre entre les deux, les nôtres? La mienne à la queue dalle, la tienne à la queue dalle. On se voit la baston. Je peux laisser mon brûleur ici du coup? Oui, oui, t'inquiète, il bougera pas. Merci. Vérifie qu'il soit bien fermé, il bougera pas. Mais après, si tu veux être sûr, il y a un garage à gauche. Là. Oui, sinon t'as un parking public juste là. Au bout de la rue où il y a le parking, il y a un parking public. Ah, ouais, bah je vais aller voir. Allez, let's go. Toby, t'as ton couteau? Bien sûr, toujours sur moi. Oui, oui, vous gardez tous vos couteaux sur vous, on sait jamais, et c'est en 170. Mon arme, c'est ma femme, je suis militaire, je laisse jamais mon arme. Ah, je suis GT, ça va de soi.
Et on a une bombe de peinture ? Non, on va rien taguer du tout. T'as une remarque. Yeah. Vous avez sucé pour les avoir ? Pardon ? Hein ? J'ai dit Psartek les voitures, vous avez sucé pour les avoir ? On s'en a sucé pour les avoir ? Ça veut dire quoi ça ? Vache bien ? Ça va ou quoi ? En forme ? Ça va ou quoi ? Tiens, je te passe une bombe. Yes. Tu peux taguer là-bas contre le mur. Nickel. Tiens, si t'as besoin encore d'une, tu viens me dire. Ouais, non, ça suffit. Ils vont tu vas voir, ils vont taguer, ils vont se présenter. Un coup de barcaille. Sauf que vas-y, y'a pas longtemps de se mettre en ville. À côté de mon gros truc, comme ça ils pourront taguer sur les murs leur truc. Et par contre, faut qu'ils se détendent eux, à nous dire qu'on a sucé pour avoir les caisses. Je vais leur faire le cul, ça va leur faire pardon, trop drôle. Pardon. T'es comment on fait ? Excuse-moi, frère. Tu vas faire de quoi ? Attention à te bouger. Frère, j'arrive, tu me dis qu'on a sucé pour avoir les bagnoles. Fais gaffe à qui, comment tu parles, frère. Et alors, tu vas pleurer ? Oh, vous êtes après. C'est qui que ça ? Attends. Je sais pas, je l'ai jamais vu avant. Attends, c'est la première fois qu'on les voit. On va pas leur faire. Tu sais comment ça marche ? Oh, ouais, t'inquiète. Ah, vas-y, parfait. Merde. Fais des raccourcis, frère. J'arrive, on me dit t'as sucé pour avoir les voitures. Y'en a, ils sont fait ban pour moins que ça, connard. Fais nos couleurs. Non, il est plus là. Il est là, il est là. Il est plus en ville. Bah non. T'es m'a dit moi, donc je l'ai appelé, mais. Attends, je suis occupé à deux choses en même temps, ta gueule. Ah, on a ça date à la fin. T'inquiète, frère. Donc les EMS, ils veulent taguer quelque chose aussi. J'avoue, un gros tag EMS là. Bim. Non ? Ce sera le meilleur merveilleux. Je te jure. Voilà. Ouais, je peux donner une bombe aux EMS, hein. Ouais, mais alors, tu sais ce qu'il va taguer celui-là ? Moi, je vois. Moi, je sais ce qu'il va taguer celui-là de EMS. Tiens, pourquoi le mur est neuf ? Ah, nickel ! Avale ta hanche, c'est comment ça ? On fait, Avalanche ! Comment on fait ? Ah, on s'en fout, dans tous les cas, c'est à part. Tactique pour savoir lequel d'eux va se foutre à poil le plus. Ils ont peur des autres. La seule tactique qu'ils ont, ils vont partir en courant, hein, bout de tafiole. Enfin, en attendant, ils parlent fort déjà. C'est une grande salope. Vas-y, Boum, tu t'es présenté au grillé orange. Boum, mais si c'est Bim Bam Boum, on le connaît, connaît, je crois on déjà. Le Bim Bam Boum, ouais, c'est Bim Bam Boum. On le connaît, on s'est affronté au truc des mongrels. Ouais, mon frère. Voilà. On s'est foutu sur la gueule avant les demi-finales, lui et moi. Exact. C'est toi qui étais au. Ouais. Moi j'ai perdu. Ça, c'est un mongrel, ça. Je reconnais la bagnole, c'est moi qui ai changé le moteur. Et la XS à mon frangin, ça. Tiens, t'es déjà à poil pour te faire baiser, toi. Ouais, regarde, il a une couche sous son jean. Qu'est-ce que t'aimes pas ? Bon, qu'est-ce que tu pas ? Bon, non. Vas-y. Bon, il manque casse les couilles. Attends, et il manque les mongrels ? Putain, et les lost ? Toujours, il casse les couilles, les motos. Putain. Ah ouais. Ah, vas-y, ferme ta gueule la première fois pour les blagues de merde comme ça, je te le dis. Mais dis la même chose à ta collègue, alors. Ah, Franz. Et que t'es mort, frère. Allo. Allo. Ouais. T'es prêt? T'as reçu la pause?
Ben vas-y, est-ce qu'il y a tout le monde qui est là, donc ça va bientôt commencer, hein. Ne traîne pas. Mais vas-y, prends ton... Non mais prends ton temps de finir dans le nord là, tant que les mongrels ils arrivent et voilà. Ils sont là, les mongrels. Les mongrels ils sont là, oui. Vas-y, dans tous les cas t'en as pour 10 minutes. Ah, pour... t'en as pour 10 minutes quoi. Ouais, bah je t'en laisse 5. Vas-y. Vas-y. Bon. Parfait. Vous voulez plus de bombes pour taguer, c'est bon ? Ah nous, c'est nickel. Y a un mec à poil, là. Ah, mais c'est un gars de chez vous, j'ai eu peur. Ouais, c'est vrai, il est en train de se changer, je sais pas pourquoi. Putain, il a remis sa tenue de boxe. Mais putain, non, les gars, on est pas en concours de boxe, là. Putain, mais... Ah non, c'est la castagne, hein. C'est le baston. C'est on se tape et on s'en va. Hein. Ouais, non, mais c'est cool. Ça fait bouger un peu. Après, si vous voulez faire des paris entre vous, faites des paris entre vous. Hein. Ça, c'est pas mon dos. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Y a des paris ou pas ? Tu peux faire des paris sur ton... entre tout le monde si tu veux. Hein. Viens, par exemple, tu vas voir quelqu'un, tu dis ouais, je parie 200 balles que lui fait ça, bah tu paries 200 balles. Tu vois. Non, ouais, non, tu fais chacun, on met 10 000 sur la table et le groupe gagnant il récolte les 40 000. Et c'est chacun pour soi. C'est, par exemple, si moi je te dis maintenant, ah, ouais, toi et moi autour des grilles, je t'arrache ta mère, et ben c'est toi qui bonjour. Ouais, Stan, genre. Mais je vais bouger, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Ça va, tranquille. Dis-moi, t'as déjà vu affaire au trou de ballon violet là ? J'ai quoi ? T'as déjà vu affaire au trou de ballon violet là ? Ouais, pourquoi ? Pourquoi ? Explique-moi. T'en vois encore, tu me dis, hein. Ça va ou quoi, beau gosse ? Ouais, toi ? Bah écoute, tranquillou. L'endroit il est idéal, hein. Ah, ouais, ouais, l'endroit est nickel. Faut juste pas qu'on se fasse cramer par les keufs, parce que moi j'aimerais bien organiser du petit concours de drift ici. Mais là, il y a les LOS qui arrivent. Et puis c'est bon. Et voilà. Lille, après le patron des EMS, ça craint pas, il est chez moi, mais. Quoi ? Tu devrais peut-être dire à Boom qu'un combat de rue ça se fait pas avec des gants de boxe, frérot. Mais je sais, mais c'est Boom. Il est handicapé, les gars, vous avez oublié ou quoi ? Oui, mais non, mais il est pas handicapé, que, il est VIP. Oh. Non, mais tu sais qu'il a reçu sa carte officielle, il est marqué Extremely. Je sais plus quoi, ça veut dire un cas extrêmement. Ouais, donc désespéré. Ouais, il est vraiment. Ouais. Il est ah atteint, ouais, quoi. Il est atteint, il est touché. Il est touché, il est vraiment. Ouais, il a un sacré pétocasque casque, quoi. Ouais, ah okay. Ouais, c'est. Même sa photo, il a l'air. Ouais, bah j'en connais 4 autres, ils ont pas besoin de la carte pour l'afficher sur leur gueule. Hein. Ah ouais, les bolos. Ouais, ouais, ouais. Les balances. Oh, le flic de Beverly Hills, viens. Frère, débarque. Marcus, viens. Débarque, vraiment. Le flic de Beverly Hills. Non, mais c'est lui qui fait le Bad Boys. Regarde, c'est Marcus dans Bad Boys. Regarde, c'est ouf. Bad Boys 3, c'est moi les manants. Ouais. Le frigo sur la bagnole et tout, okay, c'est moi. C'est réussi ou pas réussi. En même temps, il a plus de 40 ans, Marcus, dans Bad Boy. C'est un vrai terme. Aussi. T'inquiète. Ah, what, merci. What you gonna merci, do, Vin? What you gonna do, hein. Il a la moustache du président des Mayans, quoi, vraiment. Bah non, de Marcus. Attends, me dites pas qu'il y a un gang de Mayans en ville. Non. Non, non, moi je te parle, le président des Mayans dans la série télévisée. Ah ouais, vu comme ça, mais aussi dans Marcus dans Bad Boys 3. Bah je te signale que le président des Mayans, il s'appelle aussi Marcus, si je dis pas de conneries. Oui, Marcus Alvarez. Ouais, mais un Marcus Tacos, tu vois, c'est pas... Désolé, ça passe pas. Ah putain, je vais vers le Marcus Afro, je suis désolé, les man. Ouais, bah tu m'étonnes. Ah putain, j'en peux plus. Les gars, ils ont osé me comparer à un Marcus Tacos, je dois le prendre comment ? Bah le Marcus, non mais il avait la ref le gars. Le Marcus dans la série Sons of Anarchy, les Mayans. Bah oui, il a dit que j'ai la même moustache. Mais oh bah oui. Il a dit un vrai terme, hein, il a raison. Mais ma comparo à un tacos locos. Non mais. Ça me dégoûte. Mais ça tombe bien, on les voit plus d'ailleurs les tacos là. Donc, j'espère que vous bien. Fumez les tacos. Plus. Ah bah ils sont fait grailler les tacos, ils oui. Ils sont fait. Ouais, les tacos. À plomb ou pas ? Ça c'est. Finito. À plomb non, à plomb oui. Si, ils sont finito. Et le monsieur à la moustache là, tu crèves pas de chaud avec tout le bordel que t'as sur la tronche ? Putain, Papa Noël ! Oh le bâtard ! Et d'ailleurs, Tommy, viens voir Blaine. J'essaie d'être respectueux, mais toi t'es un gros con. Voilà. Tu m'as oublié pour mes petits kits de crochetin un jour ? Non, j'avais demandé à Vin qu'il les fasse. Est-ce que ça a été fait, je ne sais pas. Ah putain, personne m'en a parlé de savoir quel matériel. Tu m'avais dit qu'il fallait que je te fournisse les matériaux, tout ça.
Bah ouais, mais j'ai pas pu aller voir, c'est pour ça que j'avais demandé à Vin. Bah il m'en a pas parlé. Vin, viens ici. Non, je demandais à Vind. C'est vrai que t'es aussi blonde, toi, mais c'est. Ouais. Il a l'air de s'emboîter les couilles. Hein. Grave. Je crois qu'il est pas son, en fait. Vind, ramène ton cul. Elle est retendue là, t'as vu Désolé, j'entends pas la radio. 4 fois quand même. Hein, hein ouais, Tommy m'a dit que t'avais prévenu qu'il fallait me contacter pour me demander des matériaux pour me faire des kits de crochetage, mais. Oh, The Bee, ouais, j'ai zappé. Bah ouais, super. Hein. Bah oui. Ouais, bah vas-y, je me suis couché super tard et tout hier. J'ai zappé de ouf. Mais je peux t'en passer 3. Déjà, j'avais dit à Tommy, j'en ai 3 moi, si ça peut t'aider. Mais ouais, non, j'ai zappé de ouf. Et bah, tu me tiendras au courant de ce qu'il faut pour en faire et je te sortirai les matériaux. Mais caoutchouc plastique, 77 pour en faire 25. Mais j'en veux 10, non pas 25. Mais 30, tu m'en prévois 30 ou 35 de chaque. Ok, nickel. Il m'a dit, du coup, je vais mettre une note. Je crois que c'est caoutchouc et plastique, si je dis pas. Je reviens, j'ai oublié de dans le mon service, ouais. Putain. Ah oui. De toute façon, dans le pire des cas, après le combat, on va les yoter vite fait. Oh non, mais caoutchouc, c'est sûr, mais normalement, c'est plastique. Oula, vous sortez de cette merde, là, putain. À ta gauche. Là, le land, il va disparaître. Nickel. Je sais même pas qu'on pouvait retirer les tags. En fait, ça dépend des zones, tu vois. Si dans la zone il y en a beaucoup trop, ils vont se passer tout seul. J'ai un méga qui va sauter de son service, il a oublié ce qu'on a. Ah bah t'inquiète. T'inquiète. Regarde. Je vous autorise à péter le hub juste pour ça. Boum, ne fais plus de tags parce que du coup tu vas passer tous les tags. Mais ouais. Bon, tu n'as pas qu'il est vraiment en train de faire des tags pour des, pour des sponsors. Franchement, les gars, je vous ai dit. Das Boum, Boum, t'as ta carte au moins. T'as oublié Burger. Mais Boum, t'as oublié Burger Shot. T'as oublié Burger Shot là. Non, mais il va effacer un autre tag s'il fait celui-là. C'est ta carte de crédit. Ah oui, ouais, y'a un respect. Hein. Ah, c'est cool ça. Mes chers amis, qui a un spasfond? C'est qui veut un spasfond? Pito, Pito, t'as des spasfonds? Non mais, y'a un EMS juste là, oui. Il a pas. Mais il a pas. Mais Pito, t'as pas pris des spasfonds? Non, vas-y, viens, suis-moi. Il a fallu payer 10 000 balles le spasfond. Mais pourquoi il me fatigue comme ça? Pourquoi il me fatigue? Ah bah quand même. Pourquoi il me fatigue comme ça là? Un peu plus de vous, hein. Je me réveille, j'ai tout de suite 3 coups de fil qui me disent ouais les familles ils organisent un truc, tu vas recevoir un appel, ok d'accord. T'as zappé complu ou quoi? De quoi? T'as zappé les médocs? Oh. De quoi? T'as zappé les médocs, mais y'avait pas l'autre avec toi aussi? C'est mais il arrive ta crête, on a eu une petite intervention entre temps. Yes. Dis-moi plutôt. Non, c'est pour te dire que c'est un double direct, je vais me faire payer pour mon service. Ah oui, non mais normal, hein. Enfin, pour ça. Ouais, je veux bien que tu m'entendes comme ça, ça me fait. Et moi, mon petit porte-chat, c'est le 8. Oh, que tu te fasses payer mon. Ça, c'est du space-fond qu'il vient d'acheter. Ok. Je vais me mettre dans un coin vite fait, là, tu me raconteras quand ça aura commencé. Vas-y. Ah oui, putain, toujours les mêmes. Là, bah oui, toujours les mêmes qui sont portés disparus. Toujours les mêmes en retard, bah ouais, putain. C'est vrai que j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a des Lost, ouais. Y'a peut-être qu'ils sont venus en bus, ils voulaient pas abîmer leur bacon sous les pluies. Bah, mais ils sont venus en bus depuis Paléto. Ils ont plus de place pour leur tag, merde alors. Harry, faudra que tu rappelles à mon frère que c'est un baker quand même. Ouais, non mais ça peut avoir, tu me pètes les burnes. Bah, on vient tous à bécane et... Mais bon, il y a des gens qui disent pas ce que j'écris, bon. Donc... Ouais. Pas grave, tu lui mettras des coups dans les chicots. Ouais. Tu mets des patates à personne, mais déjà. C'est pas ce que Majou m'a dit tout à l'heure. Regarde, ils font quoi, on parle, ils sont pas trop... Je sais pas, moi j'ai pris feu tout à l'heure. T'as dit quoi? Non, j'ai rien dit, pardon, excusez-moi. Ouais. Eh, Rue, tu veux un cigare ou quoi? Quoi, tu veux que je te suce? Non, tu veux un cigare ou pas? Ah, ouais. T'as un briquet? Non. Putain, l'allumer pour sa gueule. Putain, c'est un âne aussi, je veux bien, par contre, des cigares.
Ouais, si je vais te filer un cigare, toi aussi. Attends, il va te filer son cigare à moustache. Ah non, c'est pas... J'aurais pas dit mieux. Tiens, allez, voilà pour toi. Merci, mec, Bibou. Ouais, c'est le mien aussi. Aussi, hein. Tu partages pas? Ah ouais. J'ai un briquet, moi, déjà. T'inquiète. Ah, pas avec toi, déjà. C'est pas grave. Tel petit jeu qui t'aide, pas. Nickel. Tu mets rien, mon Bibou. Mais rien. On est partageurs chez les Mongols. Si tu les... Si tu le trouves bon le cigare, bah t'as les vendeurs de cigares qui sont en face de toi, donc tu vas rechercher chez eux au lieu de les texer. Je suis sûr qu'il flic cubain. Un vendeur de cigares, il est. Attends, je le cherche, mais. C'est lui qui lui propose. Hein. Cherche-le bien, on ne verra pas d'ici tôt. C'est qui d'ici tôt? Ouais, les gars, je. Voilà. Franchement, entre Boom et un Coton Rep, je sais pas où je mette la tête. Et moi, Coton Rep. Et moi. Je crois qu'on avait compris. Il y a la carte. Il y a pas la carte. Non, il y a que Boom qui a la carte. Non, parce que c'est pas la carte. C'est ma carte d'identité. D'accord. On dirait que c'est la carte de Coton Rep, ça fera l'affaire. Non, de ma carte d'identité. Voilà, comme ça on peut l'inscrire dessus. Tu veux inscrire quoi dessus? Coton Rep. Oh non. Et t'avais remarqué que ton passeport il est aussi grand qu'une qu'une tablette. Ah ouais. T'es pas la taille du passeport. Putain, on dirait ma bite. Menteur. Tu sais quand tu l'as plié en deux ou trois. Ah oui. Passeport hein, pas ma bite hein. Il a cru sa teub, c'était un ficello. C'est clair. C'est un ficello. Faut que t'arrives à la plier, c'est ouf. Il fait un nœud au bout puis allez hop. Non mais putain. C'est peut-être suspect, laissez-le tranquille. Moi, j'espère qu'il l'épluche pas. Mais... Quoi? T'as dit quoi toi? T'as dit que c'était un ficello. Il espère que tu te l'épluches pas. Si, tous les matins. Allez. Non, on a pas dit se palucher. On a dit s'éplucher. Ah pardon, j'ai mal compris. L'éplucher si tu veux. Non putain. C'est un peu compliqué comme mot. Reste. Ouais, un ficello, tu l'effiloches. Toi tu cherches trop là, tu vas voir la prochaine urgence, ça va être un mec avec des filoches. Arrête de réfléchir, c'est trop. Demain il va se... Je m'appelle Ruben, pas Filoche. Vous voyez qu'on se confie tous les jours. Ouais, je vais être quand même. Aïe aïe. Oui. Allo, ça te dit quoi? Pour les burger shops, ok, ça va, mais couille. Non, ramène pas de frites, c'est bon. Vas-y, allez, tu me régales. Allez, vas-y, on t'attend. Allez, vas-y. Allez, on t'attend. Vas-y. Franck, j'aime bien. Hein. Mais le problème, si tu restes au téléphone avec lui, tu fais un peu l'accent belge, tu t'en as pour 3 heures. Putain, mais la mayonnaise. Ou au bout de 3 heures, j'ai plus d'un suivi, je vous le dis. Mais commence pas, je vais te coucher avant même que ça commence. De gibier de potence ou comment ça se passe? Je sais pas, et quoi? Commence pas à faire l'accent belge, Tommy, je vais te coucher avant que ça commence. Et t'avais parlé de sa nouvelle spécialité, le quoi? Ouais, le Waterzol. Est-ce que tu veux du Waterzol au poulet? Ouais, on a parlé l'autre jour, on est resté quelques jours. Mais même moi, il m'en a déjà parlé alors qu'il n'avait pas encore le prix France, ce serait bien qu'on en ait. Et en vrai dire, je veux pas que tu te foutes la gueule des voilà, Belges. Pourquoi, pour ça, pourquoi t'as parlé d'accent belge? Mais... Non, non. Ah, ferme ta gueule là. Voilà, tu mérites. Voilà. Pourquoi tu lui as parlé d'accent belge? Il va plus s'arrêter maintenant, putain, il est incontrôlable ce connard. C'est elle qui commence avec le roux là. J'avoue, c'est une bonne idée, tiens. Mais attends, parce que si t'as proposé de prendre des frites, c'est qu'il est encore à Paléto là. Non, il était au Burger Shot. Ah oui, ok. Il était au Burger Shot. On devrait peut-être dire au Burger Shot de nous ramener de quoi manger. J'avoue que ouais, c'est pas bête. Comment, ils vont rien comprendre où aller. Faut que j'aille faire une commande. Bah non, attends. Tu veux te faire livrer directement? Bah non, il va appeler Lilos, tranquille. Non, mais non, flic qui vient avec des brigands aussi, bon. Mais t'as, il est pas là. T'as Nenny qui va se pointer avec un petit sac isotherme sur le dos en vélo, là, et hop. Ils ont des brigades ici, les keufs, ou c'est comment? Ils ont quoi? Ils ont des brigades ici, les keufs. Non, c'est nous qui les avons, les briquets. Nous, on les vend. Bon, un as, si tu veux. Les oranges aussi. Vous avez des briquets, vous des gros camions, des gros camions énervés, blindés, avec
en mode course de la course à la mort là avec tout ce mais on parle d'un briquet pour allumer tes clopes, qu'est-ce que non, moi je parlais d'un briquet. Ah mais on quoi. Il y a des accents et des virgules aussi, je comprends. Il t'est arrivé d'où toi? Il s'est rhabillé en instantané. Il s'est rhabillé en instantané. Par des extraterrestres. Oui, ça c'est Grand Trafic de Flom, ça je reconnais. C'est Epsilon, c'est rien. Il a fait flouf. Ah, tu fais trop le mystérieux, Marcus, hein. Grande salope. Toujours t'insulte. Pardon. Ça va, après quand je dis fils de pute, je prends des. Hein, je prends des gavets des grandes. Fais gaffe, va voir où. Maintenant je dis grande salope, ça vous plaît pas. Ouais, je d'ailleurs, en parlant de ça, il est où ton frère là? Je sais pas, il travaille au 24-7. Ouais. Tant qu'elle m'appelle, l'autre là, meuf du Burger Shot. Ça va vraiment faire livrer. Bien sûr. Elle va arriver en bas et elle va rien comprendre de ce qui se passe. Ah là là. Non, pour un street fight, ok, peut-être pas les gants, mais vous n'auriez plus au moins lui dire de garder son pantalon. Non mais on lui a dit street fight, il a compris strip. Ouais, street fight, ouais, du coup il est déjà quasiment à poil. Ouais, et attends, regarde, j'en ai un, ça fait un quart d'heure, il est en slip déjà. Il est chaud. C'est ça. Ce qu'il t'a pas dit, c'est son pyjama en fait. Ah ouais, mais c'est comme Richie, tu vois. Richie, au lieu de dire street fight, il a déjà enlevé ses cheveux. Il commence déjà. Il les a pas de base. Sauf que le problème, c'est qu'on me l'a dit il y a longtemps et depuis, je les ai pas retrouvés, putain. On t'a chouré ta moumoute. Faudrait qu'on fasse une pétition pour dire. Après, les gars, si vous avez 100$ à dépenser, avec mon troisième œil sur mon front, je lis l'avenir dans son crâne. Ouais. Ouais, ça, tu craches un peu dessus, hein, un peu de bave là, tu poliches un peu, et hop. Ouais, j'ai pas, je t'aurais passé, mais j'ai pas. Non, moi j'ai, attends. Par contre, fils d'up, si tu me dis tant plus vieux demain, je te crois pas. Alors, vas-y, Richie, regarde-moi. Tu veux savoir quoi sur ton avenir? Tu vas gagner un match ce soir? Je suis un sanglier. Je vois que son crâne est chaud, tu vas l'étaler au premier combat. Quelle vicie. C'est ce truc que tu vois là. Ah bah ouais, ouais. Je vois que tu vas étaler son crâne chaud au premier combat. Ah ouais, 100$, mais la machine à la fête foraine. Ah ouais, non, mais $100 là-bas, tu crois moi. Puis le pire, c'est que Madame Nazar, bah ouais, dit des choses sympas quand même, tu vois. Eh ouais, et en plus, là-bas, tu reçois une carte avec qui est écrit dessus. Hein. Ah oui, okay, il a les jeux de toi pour $100. Mais je suis pas sûr de la qualité. Ah, je suis pas sûr, ouais, ouais. Putain, mais c'est les Mongrels qui étaient chauds en premier, ceux qui arrivent en dernier. Oh. C'est Lost, tu veux dire. C'est les Lost, les derniers. Pardon. Là, j'allais me faire démarrer au premier tour, j'ai rien dit. Hein. Ils se sont pas encore battus, je vais me faire arracher la gueule. Ça va, quoi, on est méchants. Je démarre plus qu'en moto. Non, mais je pense qu'ils ont pu venir à pied, hein, c'est pas possible. Ah, bah oui, regarde. Non, regarde, ils arrivent. En fait, ils sont venus à pied vraiment. Ils sont vraiment venus à pied. Ah ouais. Ah ouais. Oh merde, putain, mais. Putain, mais non, ils viennent à pied. Eh les gars, vous aurez pu ramener vos mécanes ici? Bah, on savait pas, on s'est garé dehors. On les a laissés au Burger Shot. Non mais toi, ferme. Oh le bâtard. Aïe aïe aïe. Et où une bombe de peinture, vous allez faire votre tag. Va falloir trouver la place, hein. Attends, faut que j'en efface un avant. Je crois que le sang qu'il y a là, c'est les deux sont à moi parce que j'ai frappé tout le monde. Bah, justement, c'est le sang de ceux qui ont mal, du coup, pas ceux qui tapent. Bah, oui, c'est le sang de la veine, oui. Boum! Mais le grand va se retirer, donc retire le frère. Enlève le frère, toi. Mais non, mais vas-y, attends. Je sais pas si. Oh putain! Et on a un petit bonhomme. Nouveau qui veut celui-ci. Salut, ça va, mec. Ça va, tranquille. Moi, je me tape pas. J'ai pas envie de me taper. Ah oui, tu te bats pas toi ce soir. Non, j'ai pas envie. Je viens en soutien.
Tes petits vas suaves comme ça. Ouais, t'es beau. Attends, j'ai envie de voir. Sexe. Oh, attends. J'essaie de voir mon avenir, mais je le trouve pas. Tu veux voir ton avenir ? Non, mais c'est parce que moi j'ai trois yeux. Mais je le trouve pas. Moi j'ai trois yeux, c'est pour ça. Bah oui, c'est trois yeux pour. Ah bah attends, je vais en faire un autre. J'arrive. Voilà, Moritz. Oula. Il se passe des trucs chelous entre vous deux. Hein. I like that. I like that. Oh yeah. I'm so excited. Ouais, c'est ça. Alléluia. Bon, s'il y en a qui ont besoin de soins, allez voir les EMS directement. Et comme ça, après, on entame la bagarre. Allez. Yeah. Toi, tu vas faire un calab et puis tout, tu t'es moi j'étais droite. Oui, moi aussi je vais faire un petit calab et puis tout. Ça va ou quoi ma gueule? Mais non, justement c'est à toi que je parle. Moi je vais me faire soigner. Écoute Johnny. Ça va et toi? Ouais, c'est bon. Tu es belle? Yep. Oui, putain, bonjour. Il est devenu bon. Comment toi? Ouais, je le vois pas. Ça va être pas. Si t'inquiète, ouais, j'ai pris toi dans le chico, pourquoi t'es en train de me mettre la main dans le froc? Ouais, c'est bon, merci. Faut s'approcher de près pour le voir. Ah, ok, ok. Oui. Ah oui. Moi d'ici je le vois. Ouais. Oh papito. Merci. De rien. Attends, je t'ai pas payé Pépito. Mais non, t'as 4. Et Tommy, je vois que vous avez plus de pull que de cuir. Et toi, Tommy. Ah oui. Froc, il est bon sûr. Coucou Mouti Frod, ça va? Bah ouais, toujours à la bagarre dans le coin, ça va toujours. Ah bah oui, ouais, on vous a pas vu chez nous qu'on avait organisé un événement là. Mais non, j'avais l'anniversaire de ma régulière. Oh là 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 là. Sécurité, mec. Bon bah, j'espère que tu seras là au prochain quand même. Oh ouais, je vais essayer. Hein. Si tu me dis que c'est l'anniversaire de ta régulière encore, je te crois pas. Non mais le week-end c'est toujours délicat, il y a toujours quelque chose. Mais je comprends, ouais, non, ce sera l'anniversaire de sa deuxième régulière du coup. Alors, ce week-end j'ai le marché médiéval, c'est encore pire les gars, l'hydromel, t'es sérieux quoi? Ouais mais ce sera pas ce week-end. Vas-y, fais tourner l'hydromel. Bah bien sûr. Il y en a pas ici, moi, putain. La seule fois où j'ai goûté, je suis tombé KO d'ici direct. Tapette mon Tommy, je t'apprendrai l'hydromel. C'est génial. Viens voir. Ouais, l'hydromel c'est génial. L'hydromel c'est la vie. Vu que t'es un putain d'alcoolique. J'ai vu avec Joseph là, le gouverneur, pour nous faire importer deux boissons spéciales pour le club. Vas-y, dis-moi. On va avoir une bière à 15%. Oh, trop bien. Ah, je vais trouver ma race. Plus que la Pédieu. Et on va avoir un cocktail à base de Jäger normalement. Oh, trop bien. Oh, mais... le Jäger, c'est la vie. Bah, bien sûr. Le Jäger, c'est du pain, c'est du je suis en train d'établir. Bien. Bah, c'est ça. Oui, bah, bien sûr, c'est des plantes, cet assaut. Bah, oui, c'est 57 plantes. Et par contre, les balas, je vais leur peser leur mère. Okay. Frère, j'arrive. Ah, ça a bien sucé là-haut pour avoir la voiture. Mais oh. Oh, ouais, mais ils vont se faire démarrer. Mais devant l'île. Ah, ouais, bah, ils vont se faire démonter. Frère. Oh, ça a bien sucé pour la voiture, ça suce pour la voiture. Lui, il dit, ouais, je dis, ouais, bah, calme-toi, frère, j'y vais t'enculer. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Bah, attends, je les connais pas, ils arrêtent à bien avec quelle voiture elle arrive, c'est un suceur. Un suceur, porter la voiture. Mais c'est ça, tu l'as payé, que Ça fait bientôt 3 semaines, je suis là, frère, qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais c'est ça, moi, c'est comme, j'ai peut-être mon frère qui va pouvoir venir, là. Ah, bien. Ouais, j'ai mon petit frère qui va pouvoir nous rejoindre, ben je le connais, il va arriver avec une moto à portée, lui. Et Marouan, du coup? Ben Marouan, en fait, il est parti vite fait régler des affaires. Et il revient plus tard. Et il doit régler des affaires, il a un de ses cousins qui a des emmerdes. Bah ben, tu le connais en plus, c'est le cher Clos. Ouais, ben ça s'arrête jamais, quoi, comme d'habitude, hein. Mais non, mais enfin, pas, c'est même pas le cher Clos, je suis con, c'est le Jason qui a des problèmes avec la mairie. Oui. Et vu que c'est le seul et qu'il n'y a plus aucun cousin là-bas, bah du coup il l'a aidé, il m'a prévenu, il m'a dit ouais, il y a une semaine où je vais devoir être off parce qu'ils sont en train de régler des affaires pour que justement le Jason puisse venir. Le Jason, le cher Clos, je sais pas encore qui va venir, mais l'un des deux, du coup il est en train de régler des histoires, quoi, histoire que ce soit
histoire qu'après il soit tranquille et qu'il puisse se tailler, tu vois. Donc il règle ça et puis c'est nickel. Yes. Dis-moi, si ouais. jamais t'as, comme je t'avais dit là, si jamais t'as un ou deux gun en plus, donc tu peux te séparer. Faut que j'aille. Ouais, je vais regarder au stockage. Mais de toute façon, on est toujours en train de chercher pour le mec qui fabrique les glocks, on cherche toujours. Ouais, non, mais il va m'en falloir. Parce que... Bah, c'est ça, nous, une fois que dès qu'on a le point, vous avez six glocks qui sont pour vous. Du moment que vous nous donniez des lampes torches, nous c'est bon après, tu vois. Bah, les lampes torches, on les a toujours pas trouvées. Mais... Non, mais elles s'achètent au digital. Un magasin où les radios et tout. On ira les acheter, ouais. Ça s'achète là, t'en prends 6 et puis. On ira les acheter. Comme ça, nous, après, derrière, on regarde ce qu'il faut du métal, ça on en a. Ça, j'en ai aussi. Tu me diras ce qu'il faut, je peux fournir ça. Une partie. C'est ça, et puis on vous enfile, quoi. Yes. Allez. Ah, il est fatigant, le mécano. Ah, bah, ils sont là. Bien, on va avec. Bien, Bon, tout le monde est bon, tout le monde m'entend. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Alors, du coup, selon ce que vous voulez procéder ou non, oui. Là c'est soit, par exemple, je dis le nom de quelqu'un et il défie quelqu'un en duel. Je pense que tout le monde veut se taper ici. S'il y en a qui veulent pas se taper, il y a des chaises ou autres là-bas. Alors, vous essayez, si vous voulez des chaises, vous me dites, ceux qui ne le savent pas, comme ça je vous compte pas dans le lot. Là, il n'y a pas de. Si vous voulez parier entre vous, entre groupes, faites-le, n'hésitez pas. Puis voilà, pas de bagarre, à l'extérieur, que dedans. Et les bagarres, c'est pas, je suis un sprinter fou, je te mets des patates et je cours et je recule et un. C'est vas-y, soit vous tapez correctement, soit je ramène tout le monde et on vous tape sur votre gueule à vous. On se bat avec ses couilles les gars, putain, et les mains aussi. Exactement. Bah, les mains, c'est pas obligé. Hein. Ouais. Donc voilà, là. Comment on va procéder? Une personne qui a envie de se battre rentre et une personne qui a envie de se taper contre lui rentre. Voilà, c'est tout simple, on va pas se prendre la tête. Quand vous avez fini, vous attendez que le MS vous soignez, vous allez faire un petit tour sur une chaise, vous battrez après. Vous faites pas 2-3 combats d'affilée, bah ça non, va vous tuer. Alors on n'est pas des King Kong. Voilà. C'est bon, vous avez des questions? Non, moi je veux le mec qui a dit que j'étais un suceur parce que j'ai une bonne caisse. Parfait, moi je suis en train de commander à bouffer pour tout le monde et après ce sera bon. Bon. C'est lequel des 4 qui a dit que j'étais un suceur là, que je lui expose sa sale gueule? C'est moi. Allez hop. Aïe. Ok. C'est parti. Non, je vous dis go, vous pouvez y aller. Moi, attendez, au cas où j'ai 50 balles sur Rurik. Si vous avez un souci, si votre bagarre elle se passe mal parce que vous êtes attiré par les personnes en dehors, vous me le dites, je fais reculer tout le monde. Est-ce qu'il y a un mot magique au cas où? Non, on va se mettre là, on va se mettre plus par là. Ouais, mettez-le par là et comme ça ils pourront. Comme ça on est tranquille. C'est bon? Ouais. C'est bon. Allez, parfait. Ils vont être attirés. Ouais, mettez-vous là-bas les autres là. Voilà, c'est qui suce maintenant? Ah ouais. Ça lui apprendra à dire que je suce. On va voir qui suce qui maintenant. Et par contre, pas de. Non, le MS va te soigner. Mais là, c'est encore en sortant du ring, tu vas voir ce qui va t'arriver. Allez, viens, le grand brûlé. Ah, beaucoup au bas, moi je dis beaucoup au bas. Ouais. Ah oui, sorry, menace. Hop, je te fais petit. Ouais, pansement. Ça va. T'as le droit à un petit pansement Hello Kitty, ça va? Ouais, c'est merde. Viens. Attends. Ouais, ça va mieux? Ouais, c'est ça. Ça va mieux, merci. Ouais. En gros, faites pas les bagarres trop près des. Non. Faites pas les bagarres trop près des murs parce que si le plus proche du mur il peut pas esquiver, c'est bon. Ok. C'est même pas une ouais, je m'en vais. Ok, mec. Et reculez bien des grilles aussi parce que sinon ils sont attirés, ils peuvent être attirés. Tu sais, derrière le mur là-bas, là. À droite, là. Assieds-toi, mec. Ah, bah, les deux tours se poilent. Ah, bah, d'accord. Bah, toi, assieds-toi. Les hommes en slip. Mais non, mais c'était le mec qui vient de se battre. In the green corner. Alors, s'il se fait baiser par un triso, ça va. Je ne connais pas son nom.
Son palmarès est inconnu. Ah, c'est parti. Quand je me battrai, vous mettrez la musique de John Cena. Allez, let's go. Ils sont secs. Hein. Allez, Jin. Allez, Jin. Oh, joli esquive. Allez, Jin, let's go. Joli jab. Oh, merde. Allez. Défends-toi, Dan. Bien joué, beau combat, t'es solide. T'es propre. Ah, ça va stun bien, ça va stun bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà. J'aime pas combien de me traiter dessus. Vas-y, boum, sors ta carte, monte-lui. Quelle chance. Ah, frérot, tu peux gaffe, tu peux gaffe, t'as tombé tes couilles par terre, là, ça. Mais non, après, je t'encule, si tu veux. Qui c'est qui a fait tomber ses couilles? Ça va, et toi? Moi, je veux pas. Oui, Cray, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Comment tu vas, merde? Allez! En vrai, là, pour l'instant, j'ai pas envie de porter atteinte à l'image de mon groupe, tu vois. Vu que je viens d'être. C'est parti. Mais pour la prochaine, avec grand plaisir, ok? Avec grand plaisir. On a. À toi aussi, je te rappelle pour ce que tu sais. Vas-y, tu vois, tranquille, bien installé. Bah, en fait, c'est parce que genre là-bas, j'entendais rien, mais je voyais pas spécialement beaucoup. Du coup, je me suis mis sur ta voiture. C'est pas la mienne. Pas sur la voiture. Ah, putain, enculé. Hey, tape sec. Hein. C'est pas grave. Ah, j'ai essayé la technique berserk, ça va pas. C'est pas pour moi. Le problème, c'est que voilà, je vais avoir envie de me taper, mais j'ai pas forcément envie de perdre mon sang là-dessus. Allez, putain. Moi, je suis content. Ça veut plus, hein. Hein. Ah, voilà. Je suis content. Ouais, vous êtes nul. Vous êtes nul. La bonne. Sans rancune, hein, mon pote. Bon, moi, le mec, il est venu me voir d'entrée de jeu. Il me connaît. Hop, sort de ma voiture. Ouais, ça va, ça suce pour avoir la voiture. Frérot, je te baisse ta mère. C'est ça qu'on peut vivre. Bah, c'est tout. Attends. Mais c'est quoi? C'est comment? Je veux dire, c'est comment? Le mec il te connaît, hop, tu sors, t'es jugé direct. Wow. Non, mais tu lui as baisé sa mère. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Ça va plus le ramener là. Toujours le même, hein, j'ai pas changé. Hein. Mais c'est ça. Richie là! Comme je disais. Allez, le show! Bon, tu sais quoi? Je disais, écoute, vas-y. Non, je veux pas voir. Je veux pas voir. Mais t'es sérieux? Je veux choisir entre les deux, quoi. Je veux pas voir. Je regarde pas, je cache mes yeux. Désolé pour toi, Richie. Il va gagner. Ouh. Putain, mais il a pris à se battre, Richie, entre temps, ou c'est comment? Je sais pas, mais il dormait, hein. Je crois qu'il a regardé Fight Club pendant la nuit, là. Oh, putain. Moi je dis. Allez, Richie! Bat, c'est comme les skulls. Mais Richie, il est fort là. Sur ce coup là, je sais pas où il a pris à se battre. Mais oui, mais il s'est entraîné ou quoi? Oui, le tendu dans la bouche, le tendu dans la mâchoire là. Et tu me diras, moi j'ai collé un uppercut tout à l'heure. Oui, j'ai vu, il était propre. Hein. Allez! Wesh, Richie, trop chaud! Y'a le moment Richie! Cours ou quoi, Richie? Et Richie, t'as pris des cours depuis la semaine dernière ou c'est comment? On va te voir, tu es Richie, là tu l'as couché le prez. Tu connais, hein? Ouais, je devrais te casser la gueule pour ce que t'as fait. Non, mais je l'aime. Vas-y, ma vraie. Vas-y, c'est un Marcus VS. Je lui ai susurré, je lui ai dit je t'aime. Oh, c'est mignon. Ouais. Je vais péter la gueule avec amour. C'est important. Ah, mais là, il y a deux Marcus, ça va être compliqué là. Putain, Marcus versus Marcus. Celui qui perd, il baisse sa mère. Il est où le
le chauve là, comme ça je lui fais une petite accolade quand même. Oui. Eh bien joué, bien joué. Allez, bien. Putain, j'arrivais pas à tester. Non, mais il s'est entraîné entre temps. J'ai bien. Ouais. Ah, bon non, mot, mais, ouais. Mais au tout début, putain, vas-y, j'avais trop envie de me taper Tommy là. J'avais trop envie de le taper, genre vraiment, mais après au bout d'un mois, j'arrivais pas. Ouais, j'ai vu que t'arrivais pas, tout ça, j'ai arrêté. Ah non, non, j'y arrivais vraiment pas. Et j'ai vu que t'as couru vers moi, désolé par réflexe. Bah ouais, mais. Et Tommy, ok, je suis branle tout seul de l'autre côté. C'est ce que je voulais te parler. J'ai dit, on va voir les SMS dans le prochain match. Ouais, non, mais reste pas tout seul de l'autre côté. Je bouge plus, je bouge plus. Bon, y'a un autre Mongrels qui va se taper ou quoi là, vous êtes là pour faire de la figuration. Oh putain, on fait Tommy contre Tommy après. Ah ouais, vas-y, moi je suis chaud. Vas-y, Tommy contre Tommy. Tommy. T'inquiète pas, je suis chaud patate. Vas-y, Tommy. Ah putain, mais c'est qu'il est là, lui. Attends, quoi, le combat est déjà fini. Eh, Tommy, vas-y. Eh, comme ça, il y aura tiens, André Tommy. Eh, y'a eu le combat des Marcus, préparez-vous pour le combat des Tommy maintenant. Et y'en aura qu'un qui va sortir. Tommy contre Tommy. Véritable. Allez Tommy mon Rels, t'as pas le coup de gagner. Et c'est Tommy qui va gagner. Tu l'as lu dans la boule de cristal de Richie ou quoi celle-là? Je mets un million sur Tommy moi. Et qui parie sur Tommy 1M, qui parie sur Tommy 2M? Moi je parie. Eh t'sais quoi, vas-y, je parie Tommy 2M, je mets 1000$, 1000$. Bah je mets 1000$ sur Tommy 2 et sur Tommy 1M. Ok, vas-y. Tommy, si tu perds, je te chlasse, enculé. C'est bien parce que là j'ai semé la Discord, ils savent pas duquel je parle. Allez duo. Wesh. Oula. Voilà. Eh, ressaisis-toi mon grand. Ressaisis-toi là. Il a perdu ses moyens. Voilà. Pourquoi il court? Parce qu'il est attiré par les gens, c'est tout. Ouais mais recule-toi Richie aussi là. On est loin là pour entrer. Non, par Richie, il était collé. Allez, 1000 balles! 1000 balles, tu les entends tout de suite! Allez! On va voir 1000 balles! Je t'ai fait un virement, j'ai pas d'espèce! Je vais les chlasser! J'ai mis 2000 balles parce que j'ai parié aussi, hein! Ah ouais, mais les oranges, c'est pas votre jour, hein! Il a parié sur son poulain, bah voilà! Eh, merci beaucoup! Eh, c'est pas notre jour, moi j'ai gagné, frère! Sur 4, hein! Vas-y, papy, va! Défaite. Bah tu sais qu'à un moment je croyais qu'il voulait me faire des câlins, bah oui. Il me frappait plus. On fait 2 sur 4 quand même hein. Mais par contre lui percute, bah faut que j'aille. Et c'est pas notre jour, on est à 2 sur 4 hein, ça va hein. De quoi? On est à 2 sur 4 hein, moi j'ai gagné. Jean avec la casquette, il... mais bien sûr, moi je l'ai séché. Et Jean l'a gagné aussi. Non, Jean l'a gagné aussi. Ah non, il a perdu. Il a perdu, t'as 1. Ah non, c'est Richie. Non, non, c'est le chauve qui a gagné. Oui, c'est le chauve qui a gagné. Bah oui, donc on a gagné, on est 2 à Gavard. T'as 2-4 là. On est 2 sur 4, ouais. Ça va. Ce que t'avais dit au début. Ruben, tu veux taper contre le vieux? Ouais, ouais, bah parce qu'il était pas ouf. Vas-y, va taper contre. Tu l'avais couché au premier tour quand même. Vas-y, contre un vieux, c'est pas. Vas-y, va taper contre le vieux. Bah, tu pourras être surpris, hein. Sache que Ruben, il a perdu 1000 balles à cause de toi, du coup, bah, il va te défoncer ta gueule. Le truc, c'est que. Voilà. Je vais t'enculer, Tommy. Je vais t'enculer tellement. Il a perdu 1000 balles. 1000 balles. 1000 boules. Je vais t'enculer, Tommy. Pas deux, 1000. Non, mais c'est la première fois que je me barre à 1000 balles. Tu vois, peux perdre 1$, mais pas 2. Tu perds 2$, mais pas 1000. Par contre, tu penses pas. Tu perds 3$, mais pas 1000. Ah, même moi, moi, tu. Il m'a fait le nez, mais j'ai toujours aussi mal. Je comprends pas. Bah. Mais là, il m'a un pansement autour de. Ouais. C'est parce qu'il t'a pas fait mal, t'as pas mis le pansement sous pile. Parce qu'il a visé. C'est pas grave. Moi, j'en ai déjà eu un. Mais moi, petit pansement, vas-y. Non, tu vas me lever ta la tête. C'est là. Il faut pas qu'il se colle aux barrières, il faut qu'il recule là. T'as vu? Je voulais partir. Merci bien. Eh, hey, c'est la voiture à Tommy celle-là? Oui. Non, Richie. Alors, si ça peut t'aider. Non, Vin, tu tapes contre un balas ou quoi là? Ah, ouais, moi je m'en bats les couilles. Vas-y. C'est la voiture à Richie. Okay. Vas-y, contre balas, vas-y. Le problème, c'est que moi j'aimerais bien, mais je peux pas perdre. Parce que je fais que de perdre. En vrai, je vais voir Vin se taper contre un balas. Côté fait sur mon toit, j'adore. Et bah moi mes fesses elles seront collées sur ton pare-brise derrière. Non c'est parce qu'ils sont attirés par les gens à l'extérieur, c'est tout. Rétro, du coup, hein. Ah ouais, compliqué là. Ouais ouais, ah, la manière dont ils courent tu le vois de suite. Oh, vous étiez tous loin, ça s'est pas passé, ça s'est pas... Mais... Oh, vous étiez tous loin, c'est pas arrivé une seule fois. Non mais en fait ça marche pas. Bah je sais pas, c'est déjà arrivé donc. Oh mais d'un coup il s'est arrêté de courir. Oh non mais Ruben... Eh t'es le prochain vite, t'es le prochain. Et demande le balas qu'a dit ton frère, c'est un suceur. Tu prends un balas.
Toi, c'est bien, j'en ai rien à foutre. Tant que c'est violet, c'est bon. On n'a qu'un seul à chemise, tu peux choisir. Tu es avec la chemise là. Ça sert à rien de le prendre, tu vas perdre. Toi, t'es mon collègue, toi, je me rappelle de toi. Ça va ou quoi, mec? Attends deux secondes, je me mets en. C'est bon, vous êtes. Bah oui, il y a plus de collègues, il y a plus de copains là. Ouais, non. Là, c'est position d'attaque. Fume-le, frérot, fume-le, fume-le, frérot. Ouais, y'a quoi sur le. Putain, il fait quoi là? Il a chié dans son. Il a chié dans son frère. Il a chié dans son bed. Mais ton calcul direct, c'est. Comme il a chié. Mais il a chié dans son frère. Mais qu'est-ce qu'il. Oula. Écartez-vous un peu. Y'a pas pris la main. Oula, écartez-vous. Ouais, c'est bon. Oula. Mais wesh. Ouais, ouais. T'es d'accord? Attends, éloignez-vous tous là vraiment de. Mettez-vous au niveau de Ruru là. Ah le bâtard, tu viens par là-bas. Attends, viens. Là, on est tous bien loin quoi. Là, on peut pas être plus loin. Voilà. 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 Ich. Ouh. Ich. Ich. Allez, allez. Putain, c'est. Attends, je reviens. Et wesh, on est méga loin, abusez pas là. Ouais, non, il est super. Oh bah. Voilà, ça c'est mon frère, ça. Ça c'est mon frère, ça. Ça c'est bon, ça, c'est bon, ça. Attends, mais c'est trop bizarre parce que même. Ta gueule, mais t'es con ou quoi? Je suis parti voir pour mon prochain combat, Pépito pour mon prochain combat, c'est et toi tu me retapes. Genre, quand je voulais me taper, j'étais en mode sérieux, genre je marchais en mode cowboy comme ça. Ah ouais. C'est bizarre. Tu diras plutôt que c'est ma faute, tranquille, il lui dira rien. Bon, je crois que les balances, ils ont tout perdu là. Mais... Bien joué, collègue, bien joué, bien joué. Passe le mur ou pas? Oh, j'ai de la soupe. Ah ouais, vas-y, mon gars. Pépito, remets un pansement sur le prez. Mais ouais, moi aussi, j'ai un homme qui m'a tapé. Je l'ai tapé. Tu verras quand tu. Oula, t'es là, c'est mon cœur. Ouais, ça m'a mis un seum, frère. Ah, j'attends avec ça. Excuse-moi. Là, j'ai un démon qui pousse en moi. J'ai l'impression d'avoir utilisé les chaussures avec les roues à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, voilà, profite de. Rapprends-toi à faire goulou goulou, oui. Vous savez, t'es calme pour que je puisse mettre la voiture avec le son ici, comme ça on entend mieux sur le ring. Je suis totalement d'accord. Parce que nous on entendra rien, juste décalé sur le ring. On se met sur l'autre côté, c'est pas grave. Nous on va se mettre là. Oh vas-y, moi j'étais bien sur la voiture, frère. Chargeur plein, pas besoin de l'épargne. 14 juillet ou pas sur le. Putain, mais en plus il casse les couilles avec sa musique de merde là. Il a niqué la caisse. Allez! Musique, elles sont pas freinées par contre, hein. J'ai envie de taper sur tout le monde derrière. Mais loin quand même, Proto. Ouais, mais mine de reculer encore un peu aussi. Mais qu'est-ce qu'il branle avec sa caisse? Il va te garotte pas, non? Ferme ta gueule! Tu vois quoi, lui? Garde-toi derrière moi! Ouais, allez, mon frère! Ah oui, bah j'aimerais bien, mais si, sur ton chemin, bordel! Mais avance, garde-toi devant, derrière moi! Garde-toi pas derrière! Va pas te garer derrière, y'a des chaises en plus! Mais c'est aussi un. Là, j'avais pas. Là! Y'a des chaises et tout, il peut vraiment pas se garer là! Bah, il pouvait passer si vous bougez vos gros culs, en fait, c'est tout! Mais pourquoi il veut passer? Il se met là-bas derrière la mienne. Non, parce que Océane elle veut mettre la voiture ici. Bah tu sais quoi, attends, je vais le faire. Vas-y, ouvre-moi ta voiture. Ah mais au pire, il y a la voiture de Marcus là, juste derrière là. Pose-toi sur le capot, il va rien dire. Ah, y'a Boum Boum. C'est bon. C'est bon, je viens de te dire. Dépêche-toi. La revanche ou quoi, Boum Boum? Ouais, mais ta revanche, le gars! Bah, c'est moi qui t'avais eu. Je m'étais battu contre Tommy après, tu veux ta revanche ou quoi? Ah, se faire ça, mec. Avec plaisir, mec. Prêt, Boum? À un moment donné, attends. Allez, 3, 2, 1, tapez-vous!
on l'encourage, mais pas aussi fort. Charlie Boum. Boum Boum, Boum Boum avec sa carte, il a le droit à une deuxième vie. Hein. Ouais, il a une carte VIP, hein. Normalement il a le droit à deux vies. Hein. En vrai, je suis chaud de lui offrir un deuxième match parce qu'il a pas pu faire grand chose là. Bah oui, vas-y. Vas-y, Boum Boum, t'as une deuxième vie, Attends, relève Boum Boum, il fait un deuxième match direct. Oh ouais, je suis chaud de lui offrir une deuxième chance. C'est chaud là. Hein. Ouais, Boum Boum, il va se relever, t'inquiète. Et je l'aime bien en plus, on s'est déjà bastonné tous les deux au concours des Mongrels, ah, bon, ça s'est bien passé. Gentil. C'est un bon gars. Frappe fort en plus. Il aime bien faire. Boum Boum, attends, tu vas te retaper contre lui. Ouais, non, c'est bon, j'ai pris ma branlée. On va essayer de me rattraper. Comme tu veux, hein. Mais il prend tout de suite là. Pour la revanche, parce que t'as une carte, t'as droit à deux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est bon? Tu veux te retaper direct, Boum? Comme tu veux, Boum. C'est comme tu veux, Boum. Tu me dis oui, tu me dis non, c'est toi qui vois. Ah bah je dis oui, monsieur. Allez, let's go. Allez, vas-y, tapez-vous. Bien joué, Boum. Faut me coucher. Ah, tu mettais un coup de plus, tu mettais à terre. Hein. Bien joué, Boum. Je suis pas bien. Ah, tu peux me soigner en vitesse, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Non, il m'a connaissé que le ça bon va, mec. Putain, le Norvégien. Merci. Bah écoute, et ça c'est frappé. Il va représenter la famille. T'inquiète, elle va monter sur le ring. Ouais, c'est ça. Bien joué, Boum. Ah, bien joué, mec. T'as une bonne frappe. Ah, et toi aussi, t'inquiète. On remet ça quand tu veux, avec plaisir. Peut-être pas ce soir, mais. Y'a pas de problème, quand tu veux. Ça marche. Ta femme elle veut se foutre sur la gueule avec toi, elle a dit. Bah allez. Vas-y. Baby Boum, fume-le. Et puis toi ? Ça fait longtemps on a... Eh non, mais attends. Je suis même pas sûr qu'on les a déjà vu faire un vrai combat, eux deux. C'est un bon gars, le Boum, je l'aime bien. Il a une bonne mentalité. Hein ? Ah, je vais y retourner, moi, après. Il a une bonne mentalité, le Boum, je l'aime bien. Enfin, un petit dernier, là. Yaoussan, elle veut se péter avec le prêtre. C'est un bon gars. Ouais. Ouais, elle veut se taper contre son homme, c'est pas... Oui. Je peux pas rester sur une défaite. J'ai gagné tous mes matchs ce soir. Et retravailler ma technique. Il y a Pepito, c'est pas grave. T'as fait la même? T'as fait le berserk? Moi je suis un berserk. Ils vont faire presse contre presse. Ça va être un presse. Ah, ça veut dire qu'il faut que je me foute sur la gueule avec Johnny, moi. Elle vient d'où la musique là? Merci chérie. Moi je pose ma casquette là. Et c'est qui le sergent d'armes? Ouh, il retire la casquette. C'est un peu comment je démonte tout, mon Tommy. Hein? Vu ça, comment je démonte tout? C'est les deux fraises, là. Mais ouais. Et vraiment, comme je disais, Boum Boum, il est cool. Je l'aime bien, il est un bon gars. Il a une bonne mentale. Il a assez fair play, ça va. Il a une très bonne mentale. Du Boum coup, Boum. Vu que là c'est pour les Mongrels, si le premier match, je l'ai tué trop vite. On m'a demandé de lui laisser une deuxième chance, je vais le laisser. Hein. Attends. Et je peux pas parier, hey, comment je l'aurais fait. Johnny,
Non, nous, il faut qu'on garde la cuisine. Milka, ça se mange, hein, ça se parie. Ouais, t'as vu, Milka. C'est ça, c'est mon côté belge. Putain, encore un belge. Il est là, lui. Ouais, je t'ai incité. Ça va ou quoi? Wesh, la street, c'est où, quoi? Viens, pépère. Il est pas chiant, putain. Tranquille, hein, Skylar. Ouais, tu m'étonnes. Oui, frère, ça y est. Ce qui lui arrive à elle, arrête de faire l'orient, toi. Arrête de faire l'orient. Eh, vous savez quoi, vous allez régler ça sur la ligne après, tout. Mettez-vous sur la gueule. Allez, vous foutez. Après, je vais l'arracher. Après, je vais l'arracher. Non, je t'aime bien. Elle fait trop zarma à la meuf. Ouais, d'accord. Là, par contre, écartez-vous pour de ça. C'est bon ici. Toujours aussi belle cette caisse. Il est où, Marcus? Allez, les gars, gérez ça. Après, j'ai mis 2000 balles sur ta gueule. Hein. Allez, come on, Olaf. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent miser. Et il est où, Marcus? Il a eu peut-être mal de tête. Non, tout ce qui est peut-être un peu sur leur compte, ils veulent pas lâcher 1000 balles. Merde, j'étais cher des gros rats. Ouais, non, c'est... Après, Tommy il a misé 500 balles sur le Prez Lost. Avec c'est quoi, le jour 50k sur toi, le jour où tu vends ta Spritz, je rappelle. J'ai mis 2000 balles sur ta tête. Nique ta mère, il y en a pas 50 000, fils de pute. Tommy, t'as parié combien, fils de pute? 500. Ah bah, je mets pas 500. Ferme ta gueule, tu pariais 2000 balles sur ta gueule, alors ferme-le. Ouais, okay, 500 pour les Lost. Oh, Quentin, mais non, pour toi, je peux te donner. Ah ouais, je préfère. Là, t'as 4500 sur toi. Allez. L'un des deux, il m'a arraché la mère. Et si okay, tu perds, tu là, il y a 2000 pour le Prez Lost et 4500 pour le Prez Mongrel. Vas-y, vous pouvez vous taper. Oh, il y a de la patate sautée là. Ouais. Putain, on aurait dû faire sans esquive. Hein. Oula. Le combat le plus attendu de l'histoire. Prez contre Prez. Il est pas content. Oui, il est pas content quand t'as là. Mère, hein, en plus. Oh, t'as vu l'esquive qu'il a fait, voilà. Elle était stylée. Elle était stylée, l'esquive qu'il a fait. Mais c'est une esquive en arrière. Calme. Ça y est. Oh, il est à terre. Ça va, il a peut-être pas vu qu'il était à terre. J'en veux pas savoir, en fait. On y va, Tommy. Ok. Vas-y. Attends, personne croyait en lui. Oh, j'ai récupéré les sous, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez un petit virement. Attends, mais c'est le MS qui est en train de se taper là. Moi j'en cache directement, c'est vous, j'ai pas de virement. Mais attends, le nouvel UMS c'est le Prez Lost. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je l'avais jamais vu moi, le Prez Lost. Il vient d'arriver. Non, il vient pas de faire un truc discret. Il était discret. Au MS, il vient d'arriver. Je l'ai vu une fois avec une casquette, frère. Comment tu veux que je le connaisse? Allez, viens, Tommy. C'est moi qui ai parié. Il y a écrit UMS sur son... UMS, il y a écrit Prez, hein, sur son cul. Hein. Mais je l'ai vu qu'en tenue de MS, et la dernière fois, je l'ai vu où, à votre truc de baston avec une casquette, frère. Mais laisse tomber, non, mais les deux premières droites qu'il m'a mis, j'ai pu les esquiver, je me sentais déjà pas bien après ça, je fais putain. La première patate qu'il t'a mis, c'était une sautée. Hein. Pourquoi vous battez, non, mais surtout qu'après celle-là, déjà, je me sentais déjà pas bien, tu vois. Genre, deux coups, j'étais dans le mal, après j'ai essayé à enchaîner, mais... Bah t'as bien enchaîné, hein, tu lui en as mis 4-5. Bah t'as bien... Ouais, mais bon, t'as bien vu, je lui en ai mis 4-5 et mon ami 4-5, je suis tombé et pas lui, tu vois, donc... Ouais, c'est la patate, voilà. C'est la patate sautée, ça. Oh, putain, non mais surtout, faut que je fasse plus de muscu. Ouais, la muscu, ça sert énormément. Vous battez entre vous, pourquoi vous battez par contre des balasses? Le problème, c'est que moi, la muscu... La muscu, ça sert à que dalle. Mais ça sert à que dalle, frère. Il m'a mis de droite, j'étais déjà quasiment KO à bout de droite. Frérot, je fais pas de muscu, j'ai gagné tous mes combats. Mais toi, je sais pas comment tu fais, déjà, tu mets des super kits, j'ai essayé d'en mettre super ici. Tommy va perdre, hein, là, c'est sûr, hein. Il est face à Jackie Chan. Mais pourquoi ils se battent entre eux? Pourquoi ils frappent pas des balasses, putain? Mais parce que les balasses, ils sont déjà tous tombés. Oh, putain. Mais y a pas de. Dernier truc qu'ils ont fait, les familles de combats de victoire, mais là, non, de combats de défaite. Que bravo, Jackie Chan! Putain, mais heureusement, y a pas de tomber, pas tomber. C'est s'ils veulent se battre, ils se battent. Vraiment, là, je suis dégoûté. Alors, ça vient de par... Je balance pas, je renseigne, ça vient de par là-bas, là. Bon, du coup... Oh, le bolo, c'est qui a dit Jackie Chan, là? Moi qui a dit Jackie Chan. Ah, d'accord. Tu veux qu'on se la mêle, après? Vas-y. Tu me laisses me rafistoler un peu, et puis on se la met. Ah, mais là, il y a un pari à 5000 entre Bolos et Faminid.
Vas-y, vas-y. Allez, viens, Marcus. Je te mets sur le flanc là. C'est lui qui m'a piqué, ouais. Les gars, faut m'expliquer pourquoi vous battez entre vous. Le taper. On voulait voir. On voulait voir tous les deux. Y'a quoi là-dedans? Oh, arrête. Ah oui, c'est arrivé. Ouais, c'était juste entre nous. Ouais, comme quoi. Vas-y, arrête de fouiller dedans, laisse-moi fouiller. C'est quoi ton numéro, duo? Bien sûr, Marcus, viens, Marcus. Non, c'était juste entre nous. C'est 16, moi. Yes. On rigolait un peu. Est-ce qu'il y en a qui veulent miser contre Bolos Family? Ça commence à 5000, donc si vous voulez mettre 1000 ou quoi en plus, vous me dites. En vrai, mettez pas sur les brocolis, ils valent rien, c'est méchant. Mais ferme ta gueule. Et moi, je mets 1000 sur les verts. Il sur les verts. Mais attends, putain, non, j'ai pas d'espèces, je suis un connard. J'ai que des... Ah non, c'est qui contre qui, là? C'est Marcus contre Marcus. C'est quoi, je mets 5000 sur Marcus, mais Marcus de chez toi? Je rajoute 2000 sur Marcus de chez toi. Putain, mais quel clochard. En même temps, si t'avais pas fait Kiki Tuning sur un copain de 40 ans... Et l'intérêt de gagner. L'intérêt de gagner, parce que je vais perdre 5000. Ok, et toi, tu veux miser combien, toi, Tommy? 2000. Il a fermé les yeux, il a colorié. Il a fermé les yeux, il a colorié. Ok, personne d'autre pour les... jamais ça, je vais lui faire passer Marcus. Personne mais... d'autre pour les familles, là. C'est quoi la T'as intérêt de gagner, tout le monde a parié sur toi. Fume-le. T'as dit quoi? Hein? Sur le balas, donc si tu mets 1000 sur le balas, dis-toi que tu prends pour moi. Il y a 5000, c'est la mise de base, il y a personne qui a misé j'ai, sur le balas. J'ai parié sur toi, Marcus, t'as intérêt de gagner. Rajoute 10k sur le family. On a tous misé sur les family. Bon, mais ça se trouve, il va vous surprendre. Hein. Mais l'intérêt à gagner. Attention. J'y vais après. Okay. Après là. Wesh. Ouais, mais vas-y, y'a trop de monde qui ont parié sur le Favilis et puis ils ont trop parié sur Marcus, puis vas-y, parier. La cote elle est passée de l'autre côté, tu vois. Ah, comme donc tu c'est veux. Ça, c'est. Ouais, non, mais non, mais toutes les cotes sont à 2-2, ça veut dire si tu mises maintenant, c'est 2. Si tu gagnes, c'est x2. Regarde si je vais pas l'arracher pour ma petite mongaine là. Eh quoi, t'inquiète. Regarde, ses gros muscles. Regarde bien, pour ma petite mongaine là, je vais l'arracher, regarde bien. Attends, j'ai mis 5000 sur ta gueule. Si tu perds, on veut plus que tu ramènes ta gueule par contre. Hein. Parce que là, mon pote, là c'est la honte jusqu'à la fin. Si tu perds, fuis. Ok, plus personne. T'as la vie 5000. Vous réalisez son x2, hein, au cas où. Ça, j'ai mis 5000 chez l'entier. Ouais, mais bon, si tu gagnes, c'est 10 000. Mais bon, si il perd. Les mises qui ont été faites, si jamais je perds, bon, laissez-moi crever, je vous le dis. Avec les 100. Ouais. Par contre, pour pas qu'il y ait d'histoire de quoi que ce soit, mettez-vous bien, mais genre méga loin, comme ça on est sûr que ce soit bon. Ferme ta voiture, Tommy, là. Parce qu'à chaque fois qu'on veut regarder dans nos poches, on va dans ton coffre. Bah, celle de Marcus, alors. Pas Marcus, c'est de Richie. Ferme ta voiture, parce qu'à chaque fois qu'on veut regarder nos poches, là, on va dans ton coffre. Il y a 18 000 yes, c'est bon. Sur Marcus et 5000 sur l'autre, enfin, sur le bolos. Sur l'autre, sur le bolos. Comment il est respectueux. T'as le respect. Bolos. Reprends en même temps. Allez Marcus. Allez. Non. Moi je te dis, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va perdre Marcus. Ouais Marcus va perdre. Ça sent déjà, il a déjà des coups en plus. Allez Marcus. Allez Marcus. Impose le guerrier. Il tourne en rond pour qu'il le tape. Impose le guerrier. Il va perdre Marcus. Allez Marcus, ça m'engraisse, là vas-y Marcus. Il va tomber Marcus. Impose le guerrier. Ouais, tombe mon prochain. Ta gueule. Allez Marcus. Il en prend 2-3 et tombe. Oh, ça y est. Peut-être la dernière. Allez. Comment il fait pour esquiver les coups voilà. D'après les esquiver. Il percute de esquiver. Il va perdre. What? Non mais la vache il se met des... Voilà, oh non. Ah, double KO. Ça reprend. Si on regarde, là, tu vois, double KO, ça reprend. Mais si tu reprends la VAR, Marcus est tombé en premier. Hein. Ouais, mais ils s'appellent tous les deux Marcus, donc on s'en bat les couilles. Ah, c'est magnifique, on recommence. Moi j'ai pu parier 5000 sur sa face à lui. Hein. Mais il s'est passé des trucs chauds pendant le fight. Ça va pleurer, oui. Non, mais c'est passé. KO, mais ouais, pour la beauté du sport là. Non mais faites recommencer les coups. Allez, ça s'est joué à une phalange. En plus, phalange. Vas-y, pour la beauté du sport, abusez pas. C'est comme Son Goku et Vegeta, ils se mettent une patate. Moi je dis, on laisse les GMS. Mais non. Voilà,
pour la beauté du sport, ouais, il se retape un coup là. Ouais, pour refaire le combat. Mais moi, c'est comparé à José là. C'est de la. Sinon, pour moi, c'est le verre qui est tombé en premier de toute façon. Voilà, mais en plus, non, si on mais fait par le contre, si on est dans la rue, chaud de revoir un combat là. En plus, si avec un enjeu pareil. On... Mais ouais, ben voilà, vas-y. Pour la beauté du sport, ils se retapent un petit coup là. Ouais, c'est surtout pour les paris qu'ils se retapent un petit coup, bande d'escrocs. Hein. Exactement. Parce que moi, la VAR, je l'ai regardé. C'est bon, t'as servi une ballon de foot. Ferme ta gueule. Ouais, Marcus, let's go. T'as mis combien, espèce de fou? Allez, Marcus. C'est OC qui a mis 5000. Et range ton mégaphone, pas. 2000, moi je comprends plus moi. Allez Marcus, allez. Mais tu vois, moi, de Marcus. Tu veux quoi, tu? C'est dommage parce qu'à un moment donné, le bolos s'est regardé. Lèche mes couilles pour pas qu'elle fonde. Oh, il va y avoir de l'abandon là, il va y avoir de l'abandon. Fais le décompte, presse, le décompte. Allez, s'il revient pas dans 10 secondes, c'est de l'abandon là. 1, 2, ah, il va se soigner, ok. Mais oui, il est en train de se soigner. Il avait pas compris. Ah, j'ai pas vu le FS, excuse-moi. Mais moi je compte direct qu'il y a des comptes de 10 hein. Mais non, mais il est parti vers Pépito, c'était pour se faire soigner. Mais j'ai plus, mais j'avais pas vu Pépito. Ouais, je suis d'accord avec lui, j'avais pas vu Pépito de base. Moi non plus, je l'avais pas vu. Mais attends, au début je croyais qu'il était juste parti voir des balasques. J'avais dit non, c'est bon, il y a un bandeau. Il est là. Mais alors c'est Olaf qui l'a été voir. Ah oui, c'est Olaf. Allez, Pépito, ah oui, il est là. Putain, mais Pépito, c'est l'homme de l'ombre, on le voit pas. Et Pépito, c'est Batman. On le voit pas, mais on l'entend. Et Pépito, dis-moi, c'est quoi ton anniversaire que je t'offre un masque de Batman? Oh putain, mais. Faut que je l'achète, t'es content, ouais. Ah, t'as compris. Bah, allez, vas-y, dis-moi, la réponse du Pépito. Bon, vu que t'es hispanique, t'es peut-être né le 5 mai, non? Non. Ah non, merde. C'est quoi le rejoint? Bah, tu connais pas le 5 des maillots? C'est la fête nationale. C'est ouais. Le numéro 5 sur le t-shirt. C'est Cinco de Mayo. C'est Cinco de Mayo. Bon, vas-y, vas-y. Vide. Reste ta mère. Après, j'ai mon petit raciste. C'est comme si mon petit, ouais, t'es irlandais, t'es peut-être né le 17 mars, mais bon. Bon, après, j'aurais bien kiffé le 17 mars. Mais... Ouais, je peux pas, elle est morte. Et de l'esquive, allez, let's go. Oh, par contre, si Marcus y retombe là, je peux, on peut plus rien faire pour vous. Ça tape, ça tape. Et là, il va y avoir un double KO encore. Non, en même temps, il y en a un qui fait beaucoup plus d'esquive que l'autre. Hein. Il a mais perdu le balas, il. Oh, ça c'est pour ma mongrel, mon gars. Oui. Voilà. UB. Ah, dédicace à Océane, je te kiffe. Vas-y, mon TV. Vas-y. Ah oui. Bah non. Ah bah ça c'est très con ça. Ça t'es vraiment trop con. T'avais pas dit que s'il y en a un qui fait ça, y a tous les familles qui lui tombent dessus là. Je suis tombé, tu l'as mis tout seul, il est tombé au premier coup. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Salope. Oh, je te baise. Arrête, je te baise. Eh, moi je dis combat, hein. Combat, hein. Eh, non, c'est pas combat, c'est combat. Wesh. Attends, je vais aller là-bas. Eh, Lille. Non, mais combat, wesh, combat. Ah, ouais, je vais y aller. Oh, la petite pute de Tyler, viens sur le ring, je t'arrache, t'es mort. Ah, nickel. Il nous a fait du gangsta agitant là. Ouais, mais c'est ça. Il... Brocoli. Qu'est-ce que tu veux, gros salope? Viens à la fin quand ça fait chier tout le monde, on fait un Royal Rumble, on se met tous et on se tape tous. C'est le but, c'est le but. C'est ce qui se passe à chaque fois, c'est la tradition. Comment ça à chaque fois? C'est la première fois que je suis là, moi. Ah oui, bah fallait être la dernière fois aussi. Ouais, les vacances. Sortir du quartier, pareil. Encore du sable dans tes chaussures là, fais gaffe. C'est pas drôle. Mais écoute, c'est pas de ma faute si on se faisait chier pendant des semaines. Mais vous viendrez après près de moi récupérer vos hommes. Ouais, t'inquiète. Ah, le prêtre, nickel. Ouais. Ah, t'as besoin d'un agent. Ah, Tyler, viens, pourquoi tu te caches, Tyler? J'ai peur de. Tu as besoin de quoi, j'ai dit? T'as besoin d'un agent de sécurité ou pas pour ton club? C'est vrai que. Non, mais toi, à force de trop sucer notre style, tu vas finir par avoir un cuir, toi. Non, mais attends, après, ça. Tiens, hop. C'est vrai que maintenant qu'il le dit, on a besoin de quelqu'un pour balayer devant le club là. Il pourrait peut-être un coup. Ah bah, je pense que c'était le dernier coup. Et oui. Et oui, Marcus. La vie ne tient qu'à un fil. Gros niveau. Chez. Regarde, il s'enlève, non? Regarde, il s'enlève. Ma mère, elle prend un tacle. Regarde. Regarde, hein. De mon point de vue, t'es en train de lui caresser quelque chose. Quoi, ouais, oui. Alors, tu lui balayes. Je suis en train de le balayer, mais vous avez pas le balai, quoi. Ah bah, tu
je lui balaye la queue, ouais. Ah. Je vais te balayer ta brosse à chiottes que t'as en guise de cheveux, tu vas voir, toi. Balaye-moi le cul. Grand fou. Ah, il est en train de muter, là. Balaye-moi le cul. Il va se transformer en SSV. Tu vas voir, ses cheveux, ils vont bien devenir jaunes, tu vas voir. Ses cheveux, ils vont se mettre vers le haut, frérot. Eh ben, je crois Marcus il le fait chaud de sa meuf hein. Je trouve que c'est la bite lui. Tranquille, c'est Marcus. Moi qui ai le droit de la pécho. Tu peux mettre un petit pansement s'il te plaît. Le problème c'est qu'il y en a trop qui essaient de la pécho. Si tu savais mais vous. Tu me trompes. Il y a la moitié de la ville qui veut lui passer dessus. Mais bon. Oui, mais la moitié de la ville ne l'a pas pécho. Moi oui. Je l'ai même pécho avec son homme. Bah ouais, mais bon, j'avoue que j'étais là aussi donc. Ouais. Ça compte pas. Bah non, ça compte pas, je suis en 1-1. Ça veut dire que je suis là. Ça veut dire, ça veut dire que je vous ai double pécho score. Tous les deux, c'est double score. T'es fou, ça compte deux fois plus. Mais le vrai challenge, c'est de pécho Océane sans Quentin. C'est ça le vrai challenge. Bah, ça, c'est le challenge. T'as déjà fait ça aussi. Pécho Quentin sans Océane. T'as déjà fait ça aussi. T'entends, Prez. Pécho moi tout seul, ouais, mais. Oui mais toi ça compte ouais, pas toi. Mais ça compte pas ça mon Grace. Si Lille il perd là par contre, mais comment on se fout de sa gueule. Ouais j'avoue. Mais il va pas perdre. Mais non mais il attend l'autre, il attend pour faire des esquives. Allez, oui il a cramé, t'inquiète, il a capté. Hop la patate de trop. Allez Lille. C'est parce que je les ai zoulés au premier match ça. Tu l'entends, il zeb zeb là. Il zeb zeb ouais. Il bégaye. Bon vous vous foutez sur la gueule ou vous caressez la teub là. Écarte-toi déjà! Allez, tapez-vous là! Ouais. Voilà! Ah il lui a remis un coup ce bâtard, regarde-le! Il l'a chassé ce bâtard! Let's go! Merde, comment on dit déjà? Oh, il le tourne! T-bag! Il le tourne! Attends! Tiens, regarde! Écoute le ça! Il le t-bag! Mes couilles sur ton front, ça fait. Tiens, attends, je me rapproche comme ça, moi! Voilà, parfait. Mais nous on l'entend plus. On entend rien nous. Mais nous on l'entend plus, rapproche-toi wesh. Voilà. Eh y'a pas une victoire hein, pour les Bolos. Ah si, pas y aller. Eh y'a quand même un beau combat, y'a quand même un très beau combat. Yep. Eh c'est cadeau bébé, c'est cadeau. Allez tu le sens, c'est cadeau bébé, t'inquiète. L'enculé. C'est au niveau de la tête hein, qu'il faut t-bug. Un bon pé dans le naseau. Bah je crois qu'après on va bientôt faire le brawl. Allez, suivant. Attends, y'a Franz. Non, y'a Franz, il veut stab depuis tout à l'heure là. Franz, il est en colère. Putain, il a parti de ses babouches. Vas-y, Richie, fume-le. Il a parti de ses babouches. C'est le mec qui va le miser. Vas-y, Richie, fume-le. Franz, c'est un homme en colère là. Moi, j'ai été dit que j'étais en colère. Le combat qu'il attend là, il a le sang bouillon là. Pour le dernier pari, tous les paris que vous faites sont x3. Oh putain. Ah oui, non, mais là j'ai le cul entre deux chaises. Son sang, c'est devenu de la bière là. Il a la bière qui bouillonne. Je pense qu'il y en a 4 là-bas. Ils vont avoir le démon. Ils vont vouloir le pire. Tu mets 25 kills sur les deux, comme ça t'es sûr de récupérer ta mise. Tu veux qu'il te tombe comment? Mais frère, tu veux que je te montre ce que j'ai dans mon cuir ou quoi? Tu es sûr de gagner? Je vais les soulever. Tu gagnes 10 000 dans tous les cas. On est équipé. Tu gagnes 10 000 dans tous les cas. C'est x3, mais c'est pas vous qui payez, c'est moi qui paye les x3. Personne? Non. Eh déjà paye les x2 espèce de bon givreux et après on verra. Ta gueule, je dis après. Tu vois ce que j'ai gagné en x2? Je suis à 2000 balles en x2. Bah je mets 2000 balles sur le show. Ok vas-y. Moi je suis à 2000 balles sur le. J'avais parié 1000 balles donc je suis à 2000 balles. Je mets 2000 balles sur Richie. Richie, si tu perds, je te tue. C'est quoi, je mets 2000 balles? Je suis à. Des mots d'amour. Moi je suis à 4000 balles avec le x2 de tout à l'heure. Tu mets les 4000 balles sur Richie. Compte mon champion. Moi je suis à 0 mais oui. Tu mets rien du tout sur lui. Tu vas le fumer. Pire, je te lustre un peu le crâne. Mais pour moi 2000. Allez. Tu mets un coup de tête. Je retire des 10 000 que t'as ou pas? Ouais, moi tire. T'inquiète. Allez, mon. Eh, tu sais quoi? Et pour Richie, tu mets. Vas-y, tu mets 4000. Tu vas le faire. Moi s'il perd, tu me dois rien. Moi je mets 3000 sur France. Richie, moi je mets 3000 sur le France Monster. Je te fais un virement tout de suite ou quoi? Non, t'inquiète.
Ok, du coup, moi, je mets 3000 sur le chocobon, là. Alors, moi, si Richie perd, j'ai rien gagné, c'est tout. Sur l'œuf de Pâques, là. Allez, ma couille. Alors, du coup, Rurik, il y avait 2000 x 3, Tommy, 4000, OC, 2, Vind, 3, et toi, tu m'as dit combien, toi, 3. 3 aussi, ouais. Ah, là on s'amuse. Ah, ok. Nickel. Ouais, mais... Après, vu qu'il y a le. Oui. Il y a le truc de tout le monde se fout sur la gueule. Oui. Go tous hey, balasse. On va tous aller sur les balasses. Vas-y, on les baise. Ah, ouais, donc. Je suis ravi d'avoir gagné tous mes matchs, de l'avoir fumé l'autre au premier tour, tu vois. Il a rien pu faire. Eh, hey, rebelle-toi, Richie là. Allez, Richie, let's go là, bordel. Allez, Richie, mets-lui un coup de tête. Esquive, allez, c'est bon, il est bloqué dans le coin, c'est bon ça. Ah, l'école radio, c'est de la triche, hein. Mais non, on le coach à distance. On le coach change à distance. Change de sens, Richie. Sors du coin, Richie. La double esquive, elle est passée, là. Je savais allez pas que double esquive. Allez, sors du coin, Richie. Ah là. Il va gagner, Richie, il va gagner. Richie, sors du coin. Jamais de la vie. Sors du vas-y, coin. Vas-y. Il en a le coin là, voilà. Il se sert trop. Oh regarde, c'est... moi je pense que c'est kiff. Hein. Allez, vas-y. Regarde, oui. Regarde, tu vois. Ouf. Là, il a esquivé. Vas-y. Allez, oui. Allez, let's go. Oui. qui gagne pas ici, voilà. Ça c'est mon chauffe, ça. Ça c'est mon chauffe, ça. Il a fait toute la différence. Oh, il a vu une troupe d'enculés lui courir dessus en faisant. En vrai, je pense que ça devait être serré. Il devait être serré le match. Ouais, de ouf. Parce que j'étais pas très bien. Parce que là, en fait, là, je pense que t'as gagné parce que il a son esquive, elle est pas passée, je pense. Ah bah non, on est là, nous. Bien joué, mon outil. Bien joué. Vite, t'as mon numéro, tu m'envoies 3000. Yes. Vas-y, ouais, je te dois 2000 balles. Numéro, tu m'envoies 2000, ton réseau. Attends, parce que moi, il va falloir juste mettre ouais, non, mais parce que France, je l'aime bien, c'est pas bon, tu vois. Non, en vrai, je l'aime bien aussi, mais vas-y, je peux pas faire. Richie, il a vu une armée lui rouler dessus. Attends, comment on fait déjà pour envoyer, je sais pas. Bah, par l'application banque. La banque, tu fais envoi. C'est quoi, demande. Attends. Envoie. Tu choisis le contact et tu envoies. Tu peux dire les combats contre un rouleau qui est après, c'est. Envoie. Tu choisis ton contact. Contact. Et toi, tu mets tes sous. Ah ouais, attends. Yes, nickel. T'es trop fort. Vas-y, flex. Mais tu flex. Flex. Regarde comment il flex. C'est cool. Non. Voilà. Ah, mais c'est le balas que j'ai étalé dessus. Je me suis fait doucement avec deux bras. Allez, flex avec tes deux bras. Richie, tour de là. Voilà. Richie, doucement avec toi, Gigi. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon, allez, je me tape contre lui et après, c'est pas grave, je vais les rater. Vas-y, c'est bon ça. Oh, tu veux quoi, Superman? Et tu le. Non, mais il est en train de s'étirer. Il est en train de s'étirer. C'est vrai qu'il est en. T'as gagné, bravo! C'est ça qui est bon. Richie, tu utilises ma technique. Avec la poche caca. Bien sûr! Eh, je t'ai pas dit, je suis le meilleur frère. Mais de ouf! Je bourrine comme un sac à merde. Et puis, Pito, c'est vrai que maintenant que t'es MS, faudrait que je te pose la question. Tu sais combien ça coûte pour que je puisse me recoller les poils que j'avais au torse? Ça marche pas super bien, frère. Ah ouais, il y a eu le petit super là qui est passé là. Ouais, Jack, j'ai bien fait ça. C'est moi, j'ai transformé Harry. Bah, tu me diras, puis je viendrai avec toi. J'ai mal vécu la défaite de l'heure. Ouais, parfait. Impeccable. En fait, le problème, c'est que ça me dérange pas de ne pas être méchant et de perdre contre un balasse. T'inquiète, tu peux dire les termes. Les balasses, c'est un gâteau aussi. J'ai pas envie d'aller voir au lac. Attends, Richie, viens. Tu m'étonnes. Puis au moins, vas-y, c'est fait par les patrons, tu veux. Exactement. Ça va me coller des poils sur le torse. Là. Je pense qu'en fait, je pense qu'il y a un problème avec les barrières. Le patron et le chef médecin. Ouais. Donc, ouais. Je pense qu'en vrai, c'est les barrières parce que la dernière fois, on avait pas eu ces problèmes-là. Oui, c'est bon ça. Ouais, les balas, ils ont un malus. Attends, il faut le relever. Ils ont perdu tout leur fight, les pauvres. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont le malus de cette habillée en violet. Ah merde! Mais boum boum, saute pas sur le MS, il va pas pouvoir soigner. J'ai rien fait! Aïe! Par contre, moi tout à l'heure j'ai entendu un combat Quentin Océane, j'attends toujours. Hein. Ah bon, on va faire un brawl. Je vais payer tout le monde et après. C'est le brawl. Et après, c'est le brawl. Bon, let's go! Alors, du coup, il y avait. J'ai tout le monde, moi. Le brawl, faites attention à ce que les violets ils aient pas des armes blanches dans les mains parce que je sens qu'ils sont capables de faire ça. T'inquiète, moi je tire.
Ouais, t'inquiète. Ouais. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut aussi. T'inquiète pas, si il y a quoi que ce soit, on tire, t'inquiète. Alors, du coup, il y avait Rurik. Oui. 257 000, tu lui dois, il m'a dit. Rurik, il a gagné. Non, ça fait 6 000 balles. Rurik, il a gagné. 6 000 balles, parce que 2 000 fois 3. 6 millions. J'ai pas 6 millions. Ouais, ah, arrête, gros, on sait que t'es blindé, ça y est. Il est blindé, lui. Vas-y, fais répéter ton PEL. Merde. Regarde, il a une doudoune tapeur, la doudoune, elle vaut 10 millions déjà. Non, mais gros, là, il va. Tu sais, c'est quoi, tu sais, c'est quoi qui va lui coûter le plus cher là dans l'histoire? C'est les frais d'envoi avec la banque. Et quoi, ce que ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, tous les transferts qu'il a là, mon gars. Attends, Océane, t'avais 8, 8, 16. Mouchelair, ça coûte cher ça. Attends, 16, 24 000. Putain, clochard, toi, je vais tout rafler. Bien joué ça. Océan. Prochain virement, il va dire désolé, la banque est fermée, on est en rupture de stock. Dan, il va avoir un message de son conseiller. Il va avoir un message de son conseiller qui va lui dire bon, par contre, maintenant frérot, tu vas arrêter de taper dans des économies. Son banquier, il va l'appeler, il va dire hey, fils de pute là, t'arrêtes tes conneries. Et t'as découvert autorisé depuis le dollar, pas plus hein. Pour moi, c'est 12. Votre compte est. Alors, du coup, j'ai ouais. Passé de 1000 balles à 2000 balles grâce au prez. Je suis passé de 2000 balles à 6000 balles grâce à toi. Bien joué. Allez. Allez. Je suis passé à 60% au final, les balles sont meilleures. Oui, c'est bon ça. Et leur rosé. Avec grand plaisir. Ils en avaient beaucoup. T'avais beaucoup de paris sur les balles, quoi. Là, côté balles, non, j'avais eu personne. T'en avais déjà eu 12 000 pour moi. Il a dit quoi? Il a dit ouais, moi je mets 5000 sur mon poulain. C'était 4000 en fois 3. Il s'est fait poulainiser. T'inquiète, j'ai tout noté. Nickel. Ouais, moi j'ai bien noté. Non, mais gros, il a gagné 24 000 la connasse. Mais. Ta race, putain, il casse les couilles. Oh putain! Bah, puis moi je regarde l'heure sur mon téléphone, bah ouais, mais non. Bah non, il est 7h26. 23h25. J'avais qui? J'avais Quentin? Ouais. On a le temps, et toi, c'était 23-25. J'ai mis... Ouais, c'est ça. J'ai mis 3 cafés à 3. Ouais, soit que t'as ma voiture. Bah... Ouais, mais non. Je veux quand même... Merci. 3 fois 3, ça fait 18, t'inquiète, non? T'inquiète. Ah, mais attends, j'ai ma moto. C'est ma pharmacie ambulante. Et... Avec plaisir. Pourquoi je veux pas compter? Ah, mais c'est pas compter. C'est bon, ça. C'est bon. C'est parce que tu m'as appelé mon amour sur ton répertoire, c'est pour ça. Moi je suis pas comme un auto parfum de pute, mais je suis pas sûr. C'est ce que c'est. Non, parce qu'il regarde sur la banque, il fait putain, mais je trouve pas Quentin, je sais parce que tu m'as appelé mon amour sur ton répertoire, c'est pour ça. Je sais ce que c'est mon plaisir de ce soir. Hein? On est arrivé, ils nous ont dit ouais, c'est qui eux, machin, c'est qui eux, frère. On leur a tellement pété le fiac qu'ils sont obligés de se souvenir de nous. Moi regardez, je vous le dis, le dernier debout, je lui donne 10 000 balles de ma poche. Allez! Moi je dis tout sur les balances. Vin, il y a 10 000 balles. Allez, ouais, Vin, viens avec nous. Chapeau, enlève ton chapeau. Mon cœur aussi vient, t'es obligé. Petit Marcus qui porte nos couleurs. Attends, moi je m'éloigne de Rurik parce qu'on va tous vous fumer entre nous deux, sinon ça va pas être. Mélangez-vous, hein. Mélangez-vous, hein, restez pas en équipe, hein, tout le monde se mélange. Je mélange. Focus, t'as tu les balances, tu les balances. Je vais le focus, ton petit cul. Dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je mélange. Salope! Pute! Ok, tout le monde est bon, vous êtes prêts? Je me mets tout dans mon sang. Allez! Moi bien, on les arrache, c'est bon. Le dernier survivant gagne 10 000 démons, balles pour 20 000 si mon envie la prend. On les encule. Oh. Allez, 3, 2, 1. Ruben, te bats pas contre le poteau. Tapez-vous. Oh merde. Oh putain, l'entrée. Hein. Arthur, mange. Oh le bâtard. Ah la générale, merde. Aimez-vous, mademoiselle. Oh, c'est de sa vie, merde. Parlez. La petite babillette. Ouais, moi. Tapez pas ceux qui sont au sol, tapez pas ceux qui sont. Oh merde. T'es au sol, Jean? Attends. Attends, il est au sol. Attends, ils sont au sol, Jean. Je crois il est au sol, Jean. Seul lui. Ah si, c'est bien ce que je pensais. Viens là, toi. Dernier.
Johnny. Aïe. Ah, Johnny. Putain, Johnny. Putain, Johnny. Ah, ça c'est mon gars. J'ai voulu d'aller sortir, les pauvres. Je peux... Je t'aide à les relever, hein, ça va? Ouais, vas-y. Voilà. C'est bon, pardon. Pardon, c'est bon. C'est toi, papa? Oui, c'est moi. Ouais. Richie, espèce de petite salope, putain, t'as continué à me taper alors que t'étais au sol, gros con. Non mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Ah dommage, Prez, là t'as mis un coup au sol là alors que tu lui en mettais une. Non, message que Richie, moi c'est parce qu'on nous voit, c'est pas parce qu'on nous voit pas qu'on est pas présent, je suis avalanche. Tiens, t'es quoi toi, vas-y, toi tu le mérites, t'es quoi, tu m'as fait perdre 1000 balles, bah tiens. Georges, voilà. Petite salope. Voilà. Je suis arrivé sur la fin. Bien joué. J'étais avant dernier. Dommage. Richie. Regardez-vous, hein. Voilà, tu m'as fait perdre 10 000 balles, bah tiens, voilà. Voilà. Petite salope. Laissez-le par terre, lui. Il nous a fait perdre 10 000 balles. Tiens. Voilà. T'as raison. Tiens. Voilà. Suis les couilles, t'as raison. Ça va lui faire du bien. Ouais, mais c'est pas Gigi, ça va. Tiens. Ah mais des cons. Putain. Oh putain, il a perdu ses cheveux, bordel. Wesh, pourquoi t'as la... Putain, je glisse. Aïe. Votre blason. Bah oui, avec grand plaisir, je le porte. Oh bah t'as choisi le bon blason, hein, c'est le dernier qui reste de l'eau. Allez, les Lost, Constant, c'est les Lost, les gars. Allez, bisous, c'est parce que je t'aime. Les Lost, venez. Un bon gars. Il part sans dire au revoir, ou? Oh putain, il m'a fait mal au crâne, le con. Ils sont fâchés. Oh, ils sont fous. C'est tout leur combat. Voilà. Non, non, mais ils ont fait des putes quand on est arrivé à dire qu'on était des suisseuses, frère. On les a calmés à ces bâtards. Voilà. Bien fait pour leur gueule. Bien joué. Parce que les derniers sortis, ils sont cherchés où. Bon, du coup, là, ils vont attendre. Eh, ça se trouve, ils vont appeler les keufs pour dire qu'on est là, ces bâtards. À la prochaine. Sur ce, bisous à tous, à la prochaine. Mais des bisous. Et on espère que ça vous a plu. Mais bien sûr. Et voilà, on se tient au courant. Ouais, ciao. Ciao. Allez, salut. Et ici, mère. À prochaine. Voiture, pousse. On part ensemble, hein. On fout dans ma caisse. Ça va arriver pour notre gueule, c'est sûr. Les gars, il en manque un, là. J'ai personne dans ma caisse. Manque Camille. Omi, t'es où? Omi. Tu vas avoir une putain de réponse ou c'est comment? Il est pas avec nous, hein. Omi, t'es où? Mal de tête? Il sait pas, ouais. On va pas se manger les keufs à cause d'un mal de tête, là. Non mais t'inquiète, au pire on viendra le rechercher, c'est pas... Non, je le laisse pas là tout seul. C'est pas le moment là. Laissez passer le MS. Laissez passer le MS. Bien joué dans le coin, Rurik. Bah, j'ai couché un Familiz, un Ballas. Bon, j'ai couché Tommy sans faire exprès. Bon, j'ai couché un Ballas, moi. On a chopé un Ballas dans le coin avec Rurik, on l'a défoncé sa mère. Dès le début, ils ont essayé de me prendre à deux, au final ça s'est retourné contre lui à ce bâtard. Ouais, à un moment j'étais avec toi, Rurik, on a tabassé un ou deux Ballas. Putain, on n'a pas Tommy, il est où? Ah si, il est là. Tommy, ramène-toi vite. Tommy, dépêche. Tommy, ramène-toi. Tommy, dépêche. Tommy, allez. Allez. L'autre. Ouais. Vas-y, roule. Prenez à gauche. Ça va pas trop vite. À droite, je crois qu'il y avait du monde là à droite derrière.
Oui, mais Bouddhi. Allô, ouais. T'es où là? Là, on est chez nous. C'est bon, du coup? Ok. Ouais, on non, t'appelais pour voir si Balas n'avait pas tenté quoi que ce soit. Non, non, on est au niveau de notre rue, on a nos maisons, tranquille. Ok, bah nickel alors. Vas-y, bah parfait. Vas-y, bon, on se capte quand tu veux. Ça marche, mon bébou. Ah, vas-y, des bisous, attends. Bébou. Ouais. Essaye de voir avec Tommy et Vin. Pense à me tenir au courant pour les trucs de crochetage, s'il te plaît. Parce que je suis censé leur faire les fils des matériaux pour des trucs de crochetage, là. Ce serait bien qu'ils y pensent et qu'ils me tiennent au courant. S'ils peuvent. Et tiens-moi au jus pour le reste. Tu m'entends, bébé ? J'entends plus. Merci. Je t'entends plus, bébé. J'ai eu un mal de crâne, j'ai rien compris. Ouais, ouais, on a vu. Le pire moment. Au pire moment, ouais. Bon, bah écoute. C'est bon ça, ça fait une bonne soirée là, ça a augmenté le coût de tout le monde, cette histoire. Ah bah moi j'ai gagné 6 000 balles. Moi non, mais j'ai pas parié, mais. Moi j'ai gagné 6 000 balles, je suis content. Et on a bien défoncé les balasses. Ouais. Ah, eux, par j'ai contre... un balas, un family, bon Tommy s'en fasse frais, mais. Eux, par contre, je sais pas pour qui ils sont pris, mes frères. Me traiter de chucheur à peine je sors de la voiture, ça m'a mis la haine. Ouais, de ouf. Ouais, mais... Les fanfarons, les mecs, on les voit jamais. Ils sont fait bolos par tout le monde. T'as vu? Tout le monde leur a craché sur la gueule. Ça fait la maline, je leur ai dit quoi? Je rentrais en premier, je dis je veux le balas qui a dit que j'étais un suceur, frère. J'ai niqué sa grand-mère. Bien joué. Ouais, bébou. Je t'entends pas, bébou. Bah attends, Non, mais attends, je t'entends pas. Raccroche, Rurik, je te rappelle. Ça a déconné. Tu m'entends? Ouais. Non, raccroche. Mon téléphone a déconné, je suis pas dans l'appel. Raccroche. Bon, oh, rien qui bug le téléphone. Mais non, mais c'est parce que j'ai eu un flic qui a essayé de m'appeler. Toi qui a essayé de m'appeler, ton frère qui me percute en bagnole. Putain. Et en plus qui rigole, qui me dit « Ah, ça va, j'ai pas fait exprès, j'ai tiré à côté de lui. Hein. » Non, je te disais... Putain, super. Je te disais bah, justement que mon frère et Tommy pensent à nos outils de crochetage, là. Ouais. À me dire ce qu'il leur faut, je leur fournis, comme ça ils me les fabriquent. Du métal. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Pour me dire combien il en faut pour une dizaine, comme ça je vous le fournis et voilà. Combien on va l'exotique sur ouais, bah, je peux aller voir ça si tu veux. Ah putain oui. Attendez, vas-y, je l'amène. Ah bah on... ouais, je vais voir ça, je vais aller voir ça vite fait combien il en faut et puis je vais te Yes, et puis si jamais toi t'as un ou deux guns en plus en réserve, pense à moi. Vas-y, y'a pas de soucis, vas-y je vais guetter ça. Un amour. Vas-y à toutes. Tu me diras combien je te dois pour les guns tout le bordel là et voilà. Allez t'inquiète, vas-y à toutes. À toutes. Et là j'ai un flic qui vient me voir là. Yes, mais on verra ça demain, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Tiens-moi ça au jeu pour demain, moi je vais aller me coucher là de toute façon. Ouais, y'a pas de soucis. Merci mon bébou, t'es un amour, tu fais. Vas-y. Vas-y, à toute. À demain. Soirée gagnante, les gars. Soirée gagnante. Dans tous les cas, je repars plus riche qu'en début de soirée. Belle soirée gagnante. Au final, on a bien fait d'aller se bastonner.
voulais pas rentrer ta voiture. Oh putain. Ouais, des fois ça... Parce que ça m'a fait aussi... Pas obligé de monter dedans, hein, tu peux là. Les gars, je suis fier de vous. Mais oui... Vous m'avez régalé, je suis fier de vous. Richie, je t'avais pas dit. Tu bourrines un coup l'un, un coup l'autre. Clac, 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 clac. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je faisais, hein. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de mettre berserk, mais... Ouais. Fais gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ouais, c'est ça. T'as pas basse, hein. Ouais, de ouf. De temps en temps, tu te calmes, tu fais une esquive et tu recommences. Ouais, bah c'est ça. Dès que je sentais que j'avais la place, j'esquivais. Et après, je rebourrinais, hein. Ouais. Ouais. Regarde, t'as gagné tous tes matchs, putain. Ouais, full win, là. Là, je suis à 2 victoires, 2 défaites, là. J'ai rééquilibré, là. Plus, j'ai essayé, mais thune, ouais, c'est le berserk, le mode berserk, c'est pas fait pour tout le monde, oui. J'ai fait que des victoires ce soir, parce qu'il faut esquiver aussi à la fin, ouais. À la fin, non, j'ai fait que des victoires, moi. Moi, à la fin, c'était pas pour moi. Plus... Eh, tu as fait le plus plaisir, Vassil. J'ai bien fait gonfler vos comptes, là, et ça, c'est cool, ça. Ouais, ouais, moi, je... Ça, c'est bon, une histoire rentable, ça. J'ai parié 1000 balles sur Quentin, je suis passé à 2000 parce qu'il a gagné. Ensuite, j'ai parié 2000 sur toi, bam, 1000 balles. J'ai parié 2000 balles sur un verre, je me suis fait 4000, j'ai parié 4000 sur toi, je me suis fait 12000. Allez. C'est beau ça. C'est quoi ça? C'est EMS. Oui, c'est vrai, ils sont derrière. Ah oui, putain. C'est l'hôpital est juste là. Je vais aller voir derrière. C'est bon, mon Richie, je suis fier de toi. Ah, merci. T'as géré. Ça fait plaisir. Ouais, t'as géré de ouf. Ça fait plaisir. Ah, mais t'as fait des beaux combats. Ouais, c'est bien. Et attends, premier, je me suis fait manger. Attends, mais avec tous les thunes qu'on a fait ce soir, tu vas pas me dire qu'on les a pas les 42 000 pour le moteur de la Sultan là? Je sais pas. En tout cas, on est peut-être pas très loin. Demain il pleut. Demain il pleut, gros. Demain il pleut. Je sais pas combien il reste dans la caisse noire. Normalement, y'a plus rien. Que dalle. Plus rien. On va voir ce qu'il y a sur vos comptes. Moi je suis à 5 000. Hein. Moi je suis à 3 000, mais ça va partir dans le. Dans le loyer de la maison. Moi je suis à 23 000. 23... Ah, peut-être les 45 avec ce que Tommy a. Mais c'est 42 qu'il faut. Ah bah oui, bah, il y aura 45. 42 plus les Pépito. Pépito peut mettre un peu. Pépito, ouais, je peux négocier. Mais ouais, je peux négocier. Mettre un petit peu et puis voilà, hein. En vrai. C'est bon ça, bon. Moi j'ai une pioté là. Oui, je vais faire la même. Et faut que tu m'expliques, Rurik, comment qu'on fait pour envoyer de l'argent là pour le loyer. Pour la maison. Ça prend directement sur ton compte ou? Ouais, oui, c'est une tablette, ça prend direct sur ton compte. Ok. Soit tu as la petite boîte aux lettres, soit tu as la tablette. Tu vas dessus là et tu vas là-bas là. Manage ton rent. Ouais. Tu poses ton argent. Tu déposes ton argent, la somme pile poil qu'il faut. Et tranquille. Ok, moi bah, je vais aller voir. J'avais mis 1000 balles de plus justement pour que ça fasse 3000 chacun. Et quand j'avais été voir jeudi dernier, c'était bon. Ils étaient restés et là il n'y a plus que 3000 à mettre. Ouais, tu mets ce qui manque et puis c'est tout. Yes. Je vais voir ça de suite. Pépito, ça. Oh, c'est qui hein. On peut voir. Hein. Coco. On t'a vu, t'es pas discret. Hein. Ça t'a pas le bête à titre. Alors t'as gagné combien, Pépito? J'ai gagné 15k. Putain, ça va. Hey. Mais dis-moi, sur ces 15k, tu crois que tu pourras participer à l'achat du moteur pour la Sultan ou pas? Il faut combien? On n'a pas encore assez pour l'acheter. Mais est-ce que tu pourras participer ou pas? Je pas rapporter tes payes. Bah écoute, envoie-moi un petit 5000, ce sera largement suffisant. Ce sera largement suffisant, comme ça, parce qu'il faut qu'on équipe la Sultan. Demain, je nous fais avoir des lockpicks par les mongrels. Je vais avec Quentin pour. Et merci, Pépito. Il va falloir que je retire et que je les mette au QG pour le moteur. Demain, voir des lockpicks, dizaines. Quentin, il va surveiller s'il n'a pas des guns en arabe.
J'ai demandé au moins deux guns. Des guns pas marqués. Comme ça, on aura déjà au moins deux guns. Vu qu'on est souvent à deux voitures de deux, il y aura un gun par voiture. On va commencer à s'armer avec des guns illégaux. Yes. Dès qu'ils ont trouvé le point des Glock, il faudra qu'on leur achète des lampes torches. Magasin d'électronique. Et ils nous feront les guns. Ok. Du coup, je pourrais pas sortir les 23 000. Or, le Pito m'a envoyé 5 000. Je vais mettre 20K déjà. 20-23K pour le moteur. Donc je sortirai demain les 20-23 000. 23 000, je les foutrai dans le QG. Il nous manquera du coup... Enfin, je sortirai 22 000. Il nous manquera 20 000 pile poil. Ok. Yes. Bah, dès que j'ai ma prime, elle lui passera. Comme ça, dès qu'on peut, on met ce putain de moteur dans la Sultan. Une fois qu'elle est prête, on va aller taper des supérettes, les filles. Allez. Qu'attend la voiture. On prendra le risque de prendre au moins un gun illégal que si jamais il y a des fils de qui veulent nous taper dessus, puissent les braquer pour qu'ils se barrent avant qu'ils arrivent. Deux dedans, ils cassent tout, un dehors avec le gun plus le pilote, et c'est tout. Donc tu seras pilote de la Sultan, parce que c'est sa caisse. Domi aura le gun, puisque c'est un militaire. Il sera côté passager derrière Chin. Et toi et moi, Richie, on ira dans la supérette. Ça me va. Tu t'occuperas de péter les deux caisses enregistreuses. Et moi, je m'occuperai de péter le coffre-fort. Ah, okay. Et tout le monde masqué, hein. Même si on assume, ouais. Au moins être masqué, quoi. Yes. On leur laisse déjà pas... Oui, ils ont pas mal d'indices avec les couleurs. Donc, on ira se faire... Je ferai une tenue exprès, aux couleurs mais masquée. Yes. Avec ce teddy fermé, un pantalon, des chaussures, des gants et le masque. Il faut que je prenne le truc teddy. Oui, mais il le faut fermer pour la tenue. Ouais. Tu me dis, t'enverras les. Je la préparerai demain, je vous enverrai la tenue. Ouais, nickel. Comme ça, au moins. Tout le monde pourra la préparer. On a tous la même tenue pour les braquages de supérettes. Ce sera la même tenue pour les braquages de bijouterie et de banque. Allez. Comme ça, on revendique que c'est Avalanche, mais ils peuvent pas savoir qui, puisqu'on sera tous fringués pareil. Ouais. Bah, moi, je vais avoir des cas demain. Ouais, on va aller se coucher aussi, bah. T'inquiète. Allez, ça marche, les os. Allez, des bisous. Putain, j'ai pas le bon masque. Ah, attendez. Allez. Petit message de Quentin. 3 caoutchoucs de plastique. 3 caoutchoucs de plastique. C'est ce qu'il faut. Moi j'ai des trucs dans le coffre de ma voiture. Ouais ben... Il y en a dans la malle chez nous, je crois. Ouais pareil, bon bah nickel. C'est un peu tous donc... Moi j'ai 10 metal scrap là. Mais non mais les metal scrap c'est pas... On les garde, on mettra tout... Ouais. Demain, je... Il va falloir rajouter un stockage parce que stockage QG... Il est pas... Il est vite plein. Il y en a deux. Ouais, ben. Il y a le bar et il y a l'autre. Oui, il y en a deux. Les deux sont pas pleins. Non. Mais non, mais quand on a été faire les 500, là, on était rack avec les 500 qu'on avait. C'était la galère après pour remettre parce que tout était plein. Mais oui, mais il y avait l'autre stock. Et mais dans les deux, j'ai mis derrière le bar et sur l'autre. De toute façon, on va plus faire de caisse à ce rythme-là, Tommy. Ça sert à rien. On gagne plus d'argent avec. Oui, mais c'est le fait de dire si on stocke des choses, bah faut pas forcément trop remplir les stocks. T'as vu comment c'est lourd les caisses? Le scrap métal et tout, ça va. Hein. Ouais, les caisses sont pas. Ça marche, Pépito, lourdes. Des gros bisous à toi. Ouais. Des gros bisous. Bon, je vous aime, mais je vais me pioter. Ouais, la même. On va aller me coucher, les c'est gars. Pareil. Je suis fier de vous, on a fait bonnes actions ce soir. Bonne journée. Les gens ne pourront plus dire qu'Avalanche, ils ne savent pas c'est qui. Avalanche. Les mecs, ça y est, c'est. Donc les gens, ils savent qui on est. Le
chef des familles, là, il connaît mon blaze, ça y est, on a appelé le Rick, tranquille. Vous qu'on s'est fait un nom ce soir. Ouais, clairement. Même le chef des Lost, il est venu me voir, putain, le Norvégien, tu tapes. Et de frère. Ouais. Pas lui. Les Mongrels, ils savaient que je tape, mais ça y est, tout le monde sait qu'on tape. Maintenant, ouais, tout le monde sait qu'on... Puis on n'a pas peur d'y aller, c'est surtout ça, oui. Oui, aussi, ouais. Puis l'autre, il a compris. Il a parlé d'avalanche mal, il a compris qu'il allait se faire péter le cul. Mm. Je pense qu'il avait peur pour ses couilles après. Ouais, c'est pour ça qu'ils se sont vite barrés, oui. Ça. Ouais. On va se faire sauver par les Mongrels et les avalanchons. Mais il arrive, il agresse déjà direct là. Moyen, mec, tu nous connais pas. On va les baiser, vous inquiétez pas. On va les baiser par contre. C'est clair. Bon, allez. Les bonnes nuits. Hey. Allez, bonne nuit. Des zoubes. C'est bien, c'est bien. J'aime bien. Allez, fais les poubelles. Vous m'avez régalé, les gars, on aime bien. Ouais, clairement. Faire de vous. Content. C'est bien les mecs, allez, bonne allez, nuit. À demain. Et la bonne nuit tout le monde. Ciao Pépito, à demain. Allez, bonne nuit les enfants. Fier de vous, on est au top. Et bonne nuit. On leur a pété le cul au ballons. Mais bah, ils savaient pas c'était qui avalanche, maintenant ils vont se chier dessus quand ils vont nous croiser ces bâtards. Gros bolos de merde. Et ils manqueront plus de respect, oui. Et ça, on va leur apprendre à dire bonjour, t'es qui? Avant de dire ouais tu suces. Surtout quand tu t'apprends. Ouais, quoi. Sucer, ouais. C'est eux qui vont nous sucer, oui. Exactement. Non, arrêtez de nous tirer dessus. Sucez, on vous suce, mais arrêtez. Allez, faites de bruit. Bonne nuit. Ouais, sacrée soirée. Et je suis ravi qu'on ait éclaté. Et les ballas. Tellement content d'avoir explosé le ballas au premier match. Amis. La GG aux familles pour l'événement. C'est stylé. C'est stylé de ouf. Je suis ravi, mais vraiment, d'avoir éclaté le ballas qui a d'entrée de jeu. Surtout que. Putain, ça a été dit il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Le tas sucé là-haut, il faut arrêter. Et l'autre, on arrive. Ah, t'as sucé pour avoir la voiture. Ou pour avoir la voiture, frérot, détends-toi. Il y en a, ils sont fait tuer par le syndicat pour moins que ça. C'est pour ça que ça m'a énervé et que je me suis mis à une des ballasses direct. Parce que le mec d'André m'a dit, oh, t'as sucé là ou pour avoir la voiture. Frérot, t'as sucé pour avoir la voiture. Oh, détends-toi. T'arrives, on arrive, tu nous connais pas, tu sais pas qui on est. Force pas, fais pas le mec. Attendant, les boulots, on leur a prouvé qui c'est Avalanche. Le Rurik, il est rentré direct dans le ring, il lui a dit. Le mec a dit, j'étais une suceur, je l'encule. Il a enculé, voilà. C'est assez beau. Mettez du respect sur Avalanche maintenant. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mettez du respect sur Avalanche. Que le Norvégien, quand il va commencer à distribuer des morts RP, ça va faire drôle à pas mal de monde. Merci à toi, Pépito. Merci à tous. Merci au staff. Vous nous avez régalé. Merci aux Familis pour la soirée. Merci à la participation de tous les groupes. Ça fait plaisir d'avoir tous les joueurs ensemble. Là. Et cool, il y avait bonne ambiance. C'était incroyable. Moi, je vous laisse sur cette good vibes. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain, tout.